Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Vraie question, comment allez-vous? Et ce soir, on se retrouve du coup pour la suite de Princess Peach Showtime, comme elle aime bien le dire. Et du coup, écoutez, on est y part. Hop là, c'est pas la bonne scène. Oh, la capture! Ah, c'est bien. Non, j'ai eu peur, j'ai vérifié littéralement juste avant de lancer que la capture se faisait bien et j'étais content. Et oui, parce que pendant un petit temps, j'ai eu des soucis sur mon record de Switch qui ne fonctionnait plus et tout va bien. Par contre, hier soir, j'avais des problèmes d'internet, donc j'espère que je n'en aurai pas ce soir. Et du coup, je regardais des animés hier soir, j'ai fait du montage et je me faisais couper de temps en temps. Genre peut-être toutes les 5 minutes, mon internet était coupé. Oula. Alors ça... Bon, moi qui dis à l'instant, il n'y a plus de soucis, tout va bien. One second later. Hop. Bon, ça va que c'est rapidement réglable, mais c'est chiant. Ah bah attends, c'est cet étage qui est le gubre. Voilà. Putain, c'est vrai que les touches, elles sont un peu particulières. Bon, Princess Peach Showtime, est-ce que j'ai besoin de refaire un petit pitch du jeu? On est arrivé tout simplement dans un théâtre suite à une invitation. On nous a volé notre couronne et moi, je suis une princesse, je veux ma couronne back. Et c'est juste pour ça qu'on fait tout ça, hein, parce qu'une couronne, ça coûte de l'argent, mine de rien. Et donc, du coup, on rentre dans des niveaux qui correspondent un petit peu à des pièces un petit peu de... Deux théâtres, c'est rigolo. Et du coup, on a fait les 6 premiers niveaux du jeu. Ainsi qu'un septième un peu bonus. Et voilà. Et donc, du coup, continuons. Faisons du 100%. Et on va débloquer un nouveau costume. Parce que oui, à chaque niveau, son thème costumier. Et là, pour le coup, on va être en mode patineuse artistique, j'imagine. Objectif, évidemment, récupérer tous les récoltables. Et voilà. Donc, je fais le niveau une première fois en essayant de prendre un max de choses. Et s'il manque des choses, tout simplement, je relancerai le niveau. Mais c'est arrivé qu'une seule fois que j'arrive à tout choper du premier coup. Donc, on verra bien. En espérant que le son du jeu soit plutôt bien, normalement, ça a l'air d'aller. Mon micro a l'air d'être ok. Il est peut-être un peu fort, je vais regarder. Hop, tiens, spectacle sur glace, alors tout va bien ici. Oui, Stella, tout à fait. Attends, c'est Stella son nom? Spectacle sur glace, la glace hivernale. Oh non, on glisse. Waouh, waouh! Alors, est-ce qu'on peut passer par en dessous? Est-ce qu'on peut se baisser dans le jeu? Je sais plus du tout. Je ne crois pas. Ouais, on a très peu d'interactions. On a saut, déplacement, A. Et Y, non, ça fait rien. Est-ce que je peux aller là? Non. Waouh, on va bien s'amuser. Je sais pas, faut tenter d'interagir avec tout. Quelle grâce, quelle élégance, viens y assister. Donc là, faut les allumer, non? Faut prendre la pause? Non, faut juste rester au milieu. Ok. Ici. Oh, paf! Ça y est, tu es heureux. C'est vrai. Pour le 100%, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Et l'argent, c'est important. Bon, j'ai très probablement déjà loupé quelque chose. Paf! L'argent... Spectacle sur glace, la glace hivernale. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'actuellement, j'ai aucun récoltable. C'est par ici. Oh non, des méchants pas beaux. Et voilà, vous ne pouvez pas y aller. Ah. Non, c'est vraiment comme... Je sais pas, comme des Luigi's Mansion où t'as aucun son. Ouais, j'en ai vraiment loupé déjà. Alors, je sais pas si je pourrais revenir en arrière. Hop là, je vous redonne foi en l'humanité. C'est bon?
Nos pirouettes sont superbes grâce à toi. Viens nous voir au pestacle. Oh, le jeu est bien fait, je ne peux pas retourner en arrière. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement frustrant avec ce jeu. Je sais que j'ai loupé un récoltable et je ne peux pas retourner en arrière. Pourquoi ? Bon, bah, au moins ça confirme, hein, on relancera le niveau. Ah, et là, je suis bloqué, je peux pas aller voir ce gars ? C'est une vanne. Genre, tout indique que je peux aller là-bas. Bon. Et ça, c'est un truc que je trouve trop dommage avec ce jeu, c'est qu'il est giga linéaire. Et t'as pas le choix, quoi. Ouais. Ce spectacle est un désastre. Est-ce que on peut aller par là? Ah, pareil, là, il y a une barrière, je peux même pas y aller parce que la caméra me bloque. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve trop dommage avec ce jeu. Enfin bref, il est sympatoche, il nous fait passer le temps, c'est sympa. Yo, y'a une autre spectacle, y'a n'importe quoi, mais où sont les vraies patineuses? Oh là, c'est n'importe quoi. On ne peut pas assez les bras ballants, on n'a pas assez de patineuses. Où sont les autres? Où sont-elles? Qui a crié comme ça? Ça venait du vestiaire. Dépêche-nous, tu nous accompagnes. Non, attends, allez quoi? Dépêchons-nous, tu nous accompagnes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Où sont nos amis? J'en sais rien, moi. Oh là là. Paf. Saleté. Saleté de masqué, oye, oye. J'arrive pas à le toucher. Oh, ils étaient dans les bonhommes de neige, mais personne ne s'y attendait. Oh là là, quel style. Hop là, tournoiement. Tu es libre. Je les ai sauvés, trop bien. Merci, mes pirouettes seront bien meilleures. Merci, putain, encore. Bon, c'est bien, j'en ai pas loupé une deuxième. Ça me donne une idée, ne bouge pas. Oh, et là, ils vont faire spawn le truc. Pour que nous-mêmes nous transformions. S'il te plaît, tu pourrais peut-être patiner avec nous, s'il te plaît. C'est l'étincelle de patineuse, avec ça, on pourrait conquérir le spectacle. C'est vrai. Allons-y. Transformation. Hop là, désintégration. Tout le monde a disparu. Animation qu'on a vue combien de fois? Bah, je crois que c'est la 8ème. Il me semble que c'est le 8ème niveau overall qu'on fait. Oh, le lac des signes, j'ai la ref. J'imagine. Moi, ce que j'adore avec les jeux de Switch, c'est qu'ils lag pas. Genre, il y en a aucun qui a un bon framerate. Oh, time to shine. It's showtime. C'est à toi de rater patineuse, blablabla. Alors, quels sont mes pouvoirs, hein? Évidemment, de tourner. Bah, j'imagine que c'est juste que j'ai une... Attends, est-ce qu'on a un triple saut? Non, c'est tout le temps la même animation. Ah ouais, je peux glisser tranquillement sur de la neige. Est-ce que c'est normal pour vous, ça? Est-ce que c'est normal? Et est-ce que j'ai... Il y a moyen qu'il y ait des choses ici, mais... Genre là. C'est trop suspect. Je veux y aller. Là, la pause avec vous, là. C'est comment qu'on prend la pause dans le jeu? C'est Y, X, commande. Oui, commande. Ah, c'est ZL, ZR. Lovely. L'argent. Quelle élégance. Merci. Oh là là. Oh, portail! Oh là, ça y est, je suis dans la place. Attention, je suis menaçante. Ah, tout le monde a disparu. Les vrais patineuses sont de retour! Oh, c'est le moment tant attendu que le pestacle commence! Et du coup... Série de sauts. Waouh! Paf.
Et que font les vraies patineuses? Parce que moi, je suis une fausse patineuse dans le tas. Série de pirouettes. Comment? D'accord. C'est juste... Hop là! Série de pirouettes avec saut. Bon, je sais pas qu'est-ce que je suis censé faire. Hop là! Absolument divin! Bravo, bravo! Tout ensemble! Oh là, je sens que ça va être très cancer. Non, ça sert à rien. Je suis censé faire quoi là? Faut que je tourne avec elle? Peut-être qu'il faut que je les... Ouais, que je les éclaire. Ok, j'ai rien loupé. Saut et pirouette étincelant. J'ai comme l'impression que c'est impossible de rater des choses. Merde. Ouais, faut juste rusher là. Ah putain. 100% là, j'ai loupé des trucs. Mais faut de la chance aussi. Non, là, j'ai l'impression que je les ai toutes. Quoi? Foutez de ma gueule, y'a tout. Y'a tout. Bon, de toute façon... Obligé de relancer le level, on le savait. Ah oui, putain. Putain! Dégueulasse! C'est l'heure du final! Regardez nos patineuses! Et là, ça va être le gros combat. Parce que c'est violet. Et les violets, c'est les méchants. Personne ne s'y attendait. Le voici, je sais que vous m'attendiez. Tous, allez, venez, apparaissez, hop, hop, hop. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bizarre. Oh non, il... Maintenant, vous m'appartenez. Allons sur une plus grande scène. Oh là, ils sont devenus noirs. S'ils sont noirs, ça veut dire qu'ils sont méchants. Les pauvres patineuses, suivons-les. D'accord. Ils sont passés par là. Je voulais pas de live à 22h30, je me disais que tu pouvais peut-être pas live ce soir. Quelques minutes plus tard, tu lances. Rah, misère. Enfin bref, bonsoir Flo. Non, je sais pas s'il y a un... Ouais, j'ai peut-être loupé un endroit comme ça. Est-ce que je peux vous allumer, vous? Oui, mais ça sert à rien. Attends. Non, j'ai l'impression qu'on peut pas tous les allumer. Bon, de toute façon, on verra sur l'internet après. Je relancerai le niveau. Oula. Ah, j'allais dire pourquoi il me donne des cœurs. Je peux casser ça? Ah ah! Et du coup, de l'argent. Non, ça va de nous spammer de vie. Oh, le monsieur! Eh oui, nous avions besoin de toi. Ça nous fait un récoltable. Bon, 100%, il m'en manque. Je ne serais point étonné d'avoir loupé quelque chose. Après, l'avantage, c'est que... Voilà, ça, c'est le genre de truc qui est impossible à rater, quoi. Suspect ici, hein. Ah, je peux pas monter. Je pensais... Alors j'ai dit inloupable, mais il m'en manque un quand même. Ok, non, il est en haut. Oh, trop fort. Alors est-ce que j'en ai raté un? J'en ai raté un, comme de par hasard. Hop, on se fait aspirer par le sol. Rien de plus normal pour le bataillon d'exploration. Ouais, bah on va tout prendre. L'argent.
Y a pas plus. C'est juste pour de l'argent. Divine. Non, y a rien. Habituellement, devant le gros boss, on te donne quelque chose. Après, oui, c'est parce que là, le gros boss nous donnera la dernière gemme. Ils en doivent dire, je sais que c'est, mais j'en dois pas du tout, d'où ça. Bienvenue, ici c'est Mason. Bienvenue et laissez pas tu nos peine perdue, mais tu peux essayer. Admire la grâce de mes sauts. Oh, j'ai le tour des nids. Ok, j'ai même pas fait exprès. Après, faut sauver les madames. J'ai pas compris. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment le rocher et espérer que ça passe, quoi. Donc maintenant qu'on les a toutes... Tu n'es qu'une petite impertinente. Encerclons-le. D'accord. Oh, quelle beauté. Putain, mais... Je ne prends pas de risque en le disant. C'est, je pense, de très loin le boss le plus simple du jeu. Faut juste le rusher, lui sauter dessus et c'est fini. Thank you so much. Bon alors, Princess Peach Showtime. Une fleur de neige sur la glace. Bon alors, ils sont où les ceux que j'ai ratés? Alors je sais plus c'est quoi le site. C'est celui-là. Alors la première, dès le début du niveau, traversez le pont, utilisez votre attaque sur les buissons afin de les illuminer. Quel buisson? Mais attends, mais en plus j'ai essayé de l'éclairer ce buisson, je le vois. Je sais de quel buisson on parle, j'ai essayé. Je suis pas fou moi. Après c'est quoi? C'est le 5 et le 8 je crois. Bon bah le 5 c'est parce que j'ai pas réussi sur la piste à faire un perfect. Mais le coup sur la piste là, l'espèce de mini-jeu où fallait vraiment tout prendre au pixel bien, hein, c'était chiant. Bon, ce qui me fait chier par contre, c'est que c'est un niveau qui est long. C'est un niveau qui est vraiment long lui. Donc ça me fait vraiment chier de le refaire, mais bon. Chargement à 4 FPS. Bienvenue chez Nintendo. En vrai, Peach Patineux, c'est tout aussi canon que Peach Cuisine. Oh, à la limite, ça me... Je te dirais, ça va, à la limite. La cuisine, c'est vraiment du foutage de gueule. Bon, après, ils étaient obligés. Mais bon. Peach time, woohoo! Eh, ça me rend fou, ça. Hein, vraiment, que quand tu rejoues un niveau... Rien n'est skippable, à part les animations. Enfin, les bigs animations. Ah putain, c'était ceux-là que je pouvais éclairer. Ah. J'avais pas vu qu'on pouvait les allumer, ceux-là. Oh, l'argent! Paf! Ce genre de passage, bah moi je peux pas les passer, je suis obligé de me les taper quoi. Bon bah du coup, on va rusher. Hein. Vous ne pouvez pas y aller. Je sais pas pourquoi un coup ça passe pas, mais par contre là ça va. Vas-y, je vous donne de l'énergie. Paf. Allez, avançons. Suivez-moi, je connais le chemin. C'est un vrai désastre. C'est vrai. Allons-y, allons voir. En vrai, quand je vois ce genre de passage, ça me fait tellement penser à Luigi's Mansion. Où tu vois qu'il y a les fantômes qui foutent le bordel. Non,
N'empêche, les théâtrins, on dirait vraiment des mini-wigglers. Hein. Enfin, c'est littéralement des wigglers, quoi. Ils ont la même tête. C'est juste un o... c'est juste deux ovales pour faire le nez et la tête. C'est vraiment juste ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais même en rushant le niveau, c'est lent. Ok, intéressant pour le speedrun. T'as juste besoin de les sauver. Oh, je l'ai sauvé. Je suis trop sympa. Je suis trop sympa avec un E à la fin, bien sûr. Oh, ça me donne une idée, ne bouge pas. Bah, j'attends, je ne bouge pas, là. Hein. Pourtant, j'appuie sur mes touches pour aller plus vite. Ça ne marche pas. En effet, je ne bouge pas. Oh, invocation satanique. Transforme-toi en signe avec nous. Rejoins-nous. Bon, et ça, on peut skip. Je sais pas à partir de quand on peut skip cette animation. Là, je suis en train de spammer plus actuellement. Ok, c'est bon. Merde. Oh là. Surtout pas appuyer sur recommencer. Bon, c'est là où j'aurais aimé avoir des save states. Parce que là, ça veut dire faut que je perfecte le prochain truc, sinon bah je rate une... Enfin, je rate une mini-gemme, quoi. Et juste pour vérifier, c'est laquelle qu'il me faut après. C'est la huitième. En sortant de la tente, partez en bas à droite et placez-vous sous la lumière. Utilisez la gâchette ZLZR, retrouvez dans une zone secrète, activez les étoiles qui apparaîtront pour obtenir une nouvelle gemme. Ah putain, je l'avais pas vu. Bon, maintenant qu'on connaît le niveau, faut espérer que ça se passe bien. J'ai pas envie de le relancer, c'est juste pour ça. Surtout que là, on sait. On sait ce qu'il faut faire. Donc le jaune, c'est un saut. En fait, c'est des menteurs quand ils disent série de pirouettes, c'est faux. C'est juste t'as des sauts et des pirouettes. Donc là... Bravo, tu as compris le tutoriel de la zone. Et donc là, c'est le moment. Le niveau est tellement long, par contre, c'est affreux. Ok. Ok, elle est là, celle qui me manque. Ok, pour l'instant c'est imperfect. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça m'a l'air bien, hein? Let's go! Je suis pas obligé de relancer! Ouais, parce qu'après, là, ici, t'es obligé de l'avoir, en vrai. En plus, sans déconner, le niveau, je le fais efficacement. Genre, je suis vraiment en mode speedrun, là. Je le fais vraiment rapidement, je trouve. T'as, en vrai, en speedrun, ce niveau, il doit rendre fou. Il est tellement lent. Bon, du coup, la prochaine, c'est en sortant de la tente en bas à droite. Mais tu vois, ce qui rend fou ouais, avec le jeu, c'est que ça, c'est pas skippable, quoi. Après, dans Luigi's Mansion, c'est le cas aussi, c'est pas skippable. Mais vraiment... Par contre... Est-ce que tu es d'accord avec moi, Flo? Les dialogues comme ça, là, avec des petits... Juste des textes... Ça fait cheap, quand même. Ah ouais, c'était là, oui. Je trouve ça fait tellement cheap. Même là, la TP, là, on rentre dans le sol. Et c'est littéralement notre modèle 3D qui rentre dans le sol. Ah oui, par contre, faut se méfier ici, parce que tu peux te rater. Ah non.
Ah non, c'est impossible de se rater, c'est my bad. Je trouve que ça fait tellement cheap les espèces de dialogues, les textes là des PNJ. Bon, je sais pas pourquoi ils donnent des cœurs à ce que les boules ne font pas de dégâts. Ouais, te pousse. C'est tout. Ouais, on s'en fout, on l'a déjà fait lui. Ouais, c'est ça, c'est juste on est poussé quoi. On fout. Hop là. Bon, allez, pour le plaisir de l'argent. Ça fait dialogue que l'on voyait dans un grand druide à Volucité. Ouais, mais à Volucité, au moins, il mettait des boîtes de dialogue, je crois. Qui passaient très rapidement. Je crois que c'était des boîtes de dialogue qui passaient très rapidement, mais au moins, c'était des boîtes de dialogue. Je trouve ça dommage. Par contre, ouais, le niveau, même en le rushant, t'as besoin de 10 minutes. Heureusement que le boss est rapide en vrai. Parce que vraiment... Niaha, bienvenue, tu dois te taper mon combat. C'est peine perdue, enfin j'ai déjà perdu, mais ce n'est qu'un détail. Admire mes sauts, oh wow, ça tourne. Allez, full to face. Putain, en vrai, il y a un monde où il se fait en une phase, lui. Hein. Je pense avec de la chance, il se fait en une phase. Parce que là, il m'en manquait qu'un seul. Hein. Ouais, par contre, il est obligé d'aller au milieu de la scène. C'est marrant, je pouvais pas interagir avec lui, il était obligé d'aller tout seul au milieu. Bon bah incroyable. Moi j'aurais pu perfect ce level, mais bon. Bon bah next. Combien? Oh, seulement 27 minutes de stream. Oh, pour finir, un niveau. Mais faut vraiment être attentif parce qu'il y a tellement peu de choses avec lesquelles tu peux interagir. Et c'est très souvent les mêmes. C'est vraiment dommage en vrai de rater des choses. Ah oui, la dernière fois j'avais fait le calcul, je crois il me manque 9500 d'argent dans le jeu, un truc comme ça. Je sais pas, soit l'argent, il en a pas besoin de tant que ça, et c'est sûr que j'aurai assez. Soit il faut beaucoup trop, et on verra. Mais je me souviens plus des calculs. La fresque est disparue. On est en mode détective je crois sur celle-là. Ça, on l'a vu dans les trailers. D'ailleurs, vis-à-vis du stream que j'ai lancé tard, bah c'est parce que je faisais du montage. Je faisais du montage et j'ai... Faut juste que je repasse sur la vidéo pour faire les zooms des zooms. Mais j'ai fini, allez, à 98% la vidéo sur Mario Bros. DS. Voilà. Donc plus qu'à faire les zooms des zooms et le montage est fini tito. Voilà. Et ce samedi, je sortirai probablement le top opening de 2023. 4 mois plus tard, je sais. Tout le monde a les raquets par ici. Pourtant, la ville est sûre grâce à son détective qui résout toujours les bestiaires. Bon alors, qu'est-ce qui est interagissable? Toi. En ce moment, elle ne se sent plus en sécurité. Ah, tu m'étonnes avec la montée de l'insécurité et ces jeunes de cité, là. Comment réagirais-je en cas d'agression? Ah, écoute, la police viendra et elle fera son travail et malheureusement, eh bien... Voilà, allez, avançons. Non, j'ai pas pu allumer l'arbre! Je refuse. Je refuse. J'ai pas allumé l'arbre, je veux allumer l'arbre. Laissez-moi.
M'en fous. Moi, je veux allumer les arbres. Et les arbres, hein, pas les... Enfin, voilà, on s'est compris. Ah ah ! Et ça n'a servi à rien. Et ça sert à quoi ? Ah, mais je peux déjà aller derrière. Ah bah, j'ai bien fait d'y aller. Oh, tu as trouvé mon ticket, merci beaucoup. Trop bien. Tu veux allumer les arbres? Oui, moi je veux allumer les arbres parce qu'il y en a ras le cul là des arbres. Laissez-moi danser! Laissez-nous ton fric! Saleté! Hors de ma ville! Haha! La racaille, ça j'ai dit ça dégage la racaille! Voilà. Merci, tu as été très courageuse! De rien, je fais mon métier. Haha. Ah, oula. Oh, je suis désolé, on dirait une autiste à faire ça. Mais où sont les policiers? Ah, attends. J'ai vu, tu as été fantastique. Tiens, là, on peut allumer. On peut allumer les arbres. Bonjour. Cette fresque antique m'intrigue. Mais ça, on dirait des trucs de serrure. C'est perturbant. Oh, la police! Mais que fait la police? Le jeu devrait être nommé Princess Peach 93. Oh, c'est pas mal. C'est urgent, il y a une menace. L'enquête ne peut pas être menée sans moi. Et l'assistant du détective, rien de plus. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, petit. Ils ne veulent rien entendre. Là, j'ai l'œil. C'est un cercle. Les cercles, normalement, ils sont interagissables. Je n'y arriverai pas tout seul. Allons, il me faut juste un nouveau plan. Est-ce que tu peux me suivre, jeune demoiselle? Ce n'est pas un guet-apens, c'est faux. De l'argent. Hop là. L'argent. Entre vite chez moi. Ok, monsieur, je vais le faire. C'est le scénario. Le détective est absent en ce moment. Je voudrais vraiment aider, mais pour ça, tu vas devoir passer sous le bureau. Il a dit l'énigme du bureau. Oh, je me demande ce qu'il faut faire. Des livres. Et si je les allumais dans un ordre aléatoire? Où est le tonnerre? Ah, j'ai déjà allumé le tonnerre. Hop là, ceci étant fait. D'ailleurs, merci beaucoup du follow, j'ai pas vu. Orogi, Orogi, bonsoir à toi et bienvenue sur ce nouveau streaming. Vraie question d'ailleurs, comment tu vas? Pas résolu, c'est avec une telle facilité. Oh non, je ai fait ça par hasard. Oh, est-ce le moment de The Transformationing Time? Transformation, désintégration de la bibliothèque. En fait, si on était dans un monde de Pokémon, et que les gens avaient des types, Mario clairement type feu voire combat, Peach type psy. Spectre, c'est quoi ça, tout faire disparaître comme ça et avoir des pouvoirs télékinésiques? C'est quoi ça? Interesting. Alors c'est quoi mon pouvoir? Sauter. Et c'est tout. C'est un bon pouvoir de sauter déjà. Beaucoup de gens en sont incapables. Ah. Oh non, il s'est fait kidnapper. Bah ouais, passé à l'assistant. Je me le demande. Comment je regarde? Ah, ici. Oui, et du coup. Ah, faut appuyer sur un. Ouais, il y a une autre par terre, voyons un peu. C'est un détective, il y a cette autre qui vient de me trouver. C'est de l'assistant. D'accord. Ouais, tous ces documents sont des affaires classées, on ne devrait pas lire sans autorisation. Éclat d'intuition.
C'est faux. Objection. Ah, en effet, il n'y avait rien. T'as attention, Peach. Ah, ça me fait perdre un cœur, mes éclats d'intuition. Ah, donc si j'ai faux, je meurs. Je me demande s'il y a quelque chose à faire. Là, particulièrement. C'est quoi ça, Sobrel? Oui, c'est vrai. Putain. J'avais pas compris que c'était vraiment lui. Je crois que son nez avait été kidnappé. Enfin, lui était kidnappé, mais pas son nez. Incroyable, rien ne t'échappe. Tu es une grande détective. Tu peux déceler la vérité grâce aux éclats d'intuition. Bon, je crois qu'on peut y aller. Un mystère nous attend. Bon, il y a peut-être d'autres choses à faire ici. Genre ça. Un coffre. Essayons l'ouvrir. L'argent, vive l'argent. On est un peu en train de voler. Ouais, en fait, l'intérêt de A, c'est de voir si on a des trucs interagissables. Cette barre des détectives. Jolie connexion. Ouais, je sais pas, on peut regarder, je sais pas à quoi ça sert. Je suis en train de me poser la question. Comment les théâtrins parlent? Avec leur nez. Par contre, elle m'a dit que je perdais de la vie, mais c'est totalement faux, je perds pas de vie. Ah ah. Oh non, il n'y avait rien. Ouais, je perds pas de vie, hein. Le jeu est sympa quand même. Mais bon, je préfère interagir avec tout. Bon, ici, on l'a vu, hein. Dès qu'il y a un cercle dans ce jeu... C'est que c'est un téléportateur. Ils ont pas de bouche. Ouais, mais ils ont un nez. Oh, je me demande si ici, il n'y a pas quelque chose à faire, peut-être. Ce serait quand même un sacré hasard qu'une caisse qui fasse des particules bleues dans un environnement marron. Oh, personne ne s'y attendait. Et c'est tout? En vrai, oui. Bon, par contre, vraiment... Enfin, faire un effort, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir? Je m'attendais à mieux. Personne n'a le droit de passer. C'est vrai? Alors, comment cela se fait ce que je peux passer à travers votre nez? Je sais pas si ça sert à quelque chose de... regarder. Si ça se trouve, si tu regardes ici, il te disait qu'il y avait un truc interagissable. Oh, une détective, tu peux entrer. Eh ben, dis donc. Ah, et du coup, le petit bonhomme, il peut. Oh, une détective, enfin. Eh bien, tu tombes à pic, le directeur t'attend dans la salle adjacente. Cette Amonita est suspect. Ah, il y a un truc derrière aussi. Non, ça va être le niveau chiant où tu sais pas quoi faire et ça va être très long. Alors, c'est bien beau de me dire que je peux interagir avec, mais... Bah, je peux rien faire, quoi. Peut-être que c'est trop tôt. Ah non. Les momies me fascinent. Blablabla, si tu veux des informations, adresse-toi au directeur. Le policier ne sortir personne. Blabla de l'argent. Oh, ce mollusque. On a fait fermer le musée. Une gravure contenant un texte ancien. Et là, je peux aller à gauche. Non, vous foutez de ma gueule. Genre là, c'était vraiment le genre de truc évident où on peut y aller, quoi. D'accord. Là, j'ai raté les notes d'ici. Seuls des ninjas pourraient comprendre les caractères inscrits. Ça tombe bien, je suis une ninja à temps partiel. Tout va bien par ici. Je surveille ce coin de très près. Alors d'abord, parler au directeur afin de savoir exactement quel est le problème. La fenêtre est verrouillée. C'est en mode Danganronpa pas là. Tout est bien fermé, j'ai même resserré moi-même cette fenêtre pour être sûr. Oh, vous, voilà enfin une détective. Nous avons trouvé une note menaçante sur la fresque théamienne.
Appropriation culturelle, vous n'avez pas le droit. On peut y lire, nous allons vous prendre cette fresque théamienne. S'il arrivait coiffeur que ce soit notre précieuse fresque. Mais pourquoi le courant est coupé tout à coup? Ça serait rigolo quand même. La fresque, elle a disparu. C'est pas possible. Je t'en prie, trouve ces malfaiteurs, ces sales masqués, ces sales arbres. Alors, blabli blablo, je t'en prie, trouve ces malfaiteurs. Je n'en reviens pas encore, ces arbres. La fresque a disparu au moment même où le courant s'est éteint. Ça me rend fou. La fenêtre était parfaitement fermée. Comment ont-ils pu entrer? Mettons-nous au travail. Parlons aux témoins pour savoir où les voleurs sont allés. La fenêtre est verrouillée. Il faisait si noir. Mais j'ai senti quelqu'un aller à gauche. N'était pas rien cette coupure de courant. J'espère que les momies sont intactes. Est-ce que j'ai récupéré? Ouais. J'ai déjà pris le... Comment? J'ai déjà pris le nœud pape. Seuls des ninjas pourraient comprendre. Ah ah! Et c'était des ninjas en fait, les messieurs. Ah ah! Et paf, j'avais tort! Mais comment je suis censé deviner que j'ai tort? Rentrez chez moi! Nous sommes vraiment désolés, il va falloir patienter encore un peu. Ah, il était pas comme ça lui avant. Et oui, cette gravure est de travers. Il dit quoi? Qu'elle était droite. Elle était de droite. Ah là, comme de par hasard, ces arbres ont tourné vers la gauche. Le tableau, il faut la remettre droite. Ah ah! Et oui, l'aération était derrière un tableau qui vaut probablement beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment là la suite? C'est un conduit d'aération, les voleurs sont peut-être passés par là. Alors, à l'intérieur? Alors, à la base, je voulais aller à droite. Mais bon. Oh, une clé! C'est pas en évidence du tout. Oh, un coffre. J'adore l'argent, ça tombe bien. Wow! Cette vitrine est cassée. J'ai déjà oublié sa voix, lui. On ne pouvait y voir des objets appelés masques de transformation. Il est écrit ici qu'ils permettent à leur porteur de vertir toute autre forme. Mais c'est évident, les voleurs se sont sûrement transformés grâce à ces masques. Et je peux pas prendre cette clé. Ah si, quand même. Je me disais bien. Un coffre, de l'argent. Et si on ouvrait ce coffre qui a probablement beaucoup d'argent? Alors est-ce qu'on peut faire un truc de particulier? Les masques étaient exposés ici. Oui, c'est vrai. Y'a quoi à droite là? Oh, une clé. Et si je récupérais cette clé? Oh, je me demande où je dois aller. Je me demande ce que je dois récupérer. Oh Nit, ne t'en fais pas. Hop, oh, une clé. Personne ne... Is that a fucking judge reference? Ce serait le flair de la vérité, il démasque les menteurs. Trop bien. Mon popcorn. Quelqu'un a profité de la coupure de courant pour me voler mon popcorn. Tout est normal, j'ai vu personne de suspect, moi. Un appareil photo, je vends des appareils photo et l'un d'eux a disparu. T'es pourtant juste là. Personne n'a franchi ses portes. Pourquoi il y a une nouvelle statue? Il n'y en avait que deux avant. Ah, je me demande bien. Un bas-relief d'un héros brandissant un bouclier. Attends. Ok, non, j'ai cru que c'était une ref à Zelda, mais non. Mais la statue lunette du soleil est authentique. Ah, est-ce que ça voudrait pas dire que eux deux sont des méchants? ZZ. Maman, je n'ai rien vu d'inhabituel ici. Si seulement j'avais une clé. Si seulement j'avais une clé. Oh, ça tombe bien. J'avais une clé. Paf, par le pouvoir de l'argent. Paf, par le pouvoir de l'argent.
Ah, merci, de rien. Oh, personne ne s'y attendait. Un policier n'est pas nice. Un policier is sus. Est-ce que ce serait pas le premier? Oh, de l'argent. Un coffre. Et si on volait des richesses? Oh, un coffre. Et si on volait des richesses? Bon, en vrai, je vérifie, on sait jamais. Après, je pars du principe qu'on en aura une à la toute fin, donc en principe, il m'en manque deux. Encore une fois, c'est un niveau qui est très long, donc ça me fait vraiment chier de le redémarrer, quoi. Après, en vrai, c'est pas un niveau long parce que il est rapide. Bon, lui, ZZ, toi, d'accord. Bah, en vrai, lui, quoi. Lui, ce Sibaki. Tu es l'imposteur. Oh, j'avais raison, personne ne s'y attendait. Il a été trahi par ses vêtements et son appareil photo. Bon travail, il reste encore un voleur, je suis sûr que tu vas le trouver. Oui. Ne t'en fais pas, c'est long. Oh, l'argent. Je me demande où est le deuxième. Est-ce que ce serait pas genre... ici, par hasard? J'accuse ce caillou d'être méchant. Hein? Ah bon? Ah, c'est... Attends, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ils auraient regardé une pièce tous les deux et auraient partagé un unique paquet de pop-corn. Ouais, donc si c'est pas lui... Ah, bah ouais. Mais pourtant, il y en a un, il a dit qu'ils avaient bien des lunettes. Bon, bah écoute... J'accuse ce caillou. Ah ah! Je crois que c'est juste au popcorn en fait qu'on pouvait le savoir. Il y avait un paquet de popcorn au trou et nous les avons trouvés. Allons parler au directeur. Of course, ne t'en fais pas. Donne-moi mon dû que je ne relance pas ce niveau, s'il vous plaît. Let's go! On a dit c'était bon, je le savais! C'est donc ça. Personne ne s'attendait à ça. Bon, j'espère que j'ai rien loupé. Je pense que non, hein. Crachez le morceau, dites-nous où est la fresque. La fresque? Quelle fresque? Hey, je crois qu'on va te dire qu'on l'a planqué quelque part dans le musée. Et encore dans le musée? Et je veux dire, je sais même pas de quelle fresque tu parles. Oh, tu arrives juste au bon moment. Grâce à toi, nous avons les malfaiteurs. Mais nous ignorons encore où ils ont caché la fresque. Tu dois la retrouver. D'accord, je vais le faire. Est-ce qu'elle ne serait pas là par hasard? Genre, elle est juste invisible. Moi, je dis avec les lunettes de la vérité. Trop fort. Point faible, trop fort, en fait. Point faible, trop fort. Mais la fresque était restée au même endroit, n'a jamais été volée. Tu viens de rendre un énorme service au musée, je te suis très reconnaissant. Voyons, moi qui pense, c'est qu'il ne s'en rendrait jamais compte. On a réussi, c'était super de te voir résoudre ce mystère, une nouvelle détective hors pair est née. Et l'enquête est enfin terminée. Oh, let's go, j'ai 100% à niveau pour la deuxième fois du premier coup. Eh oui, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Merci beaucoup, vous n'avez servi à rien, parce que j'ai tout fait tout seul. Oh, en plus j'ai gagné de l'argent.
Ah là là, quel plaisir de first try des niveaux. C'est bien, on gagne du temps. Bon, 50 minutes pour deux levels quand même. Après, moi, je vous avais dit mon objectif la dernière fois, c'est de faire 6 niveaux à 100% par stream, si possible. Comme ça, en 5 ou 6 streams, le jeu est plié. Et donc, du coup, nous avons débloqué le boss de l'étage. Donc, du coup, en principe, bah, on... À la fin de ce stream, on fera le boss du troisième étage. Bon, on va pas passer, on va... J'aurais pu le passer. Très bien, ouvre cette porte grâce au pouvoir de l'étincelle. Est-ce que tu peux me donner quelques gemmes d'étincelles que tu as ramassées? D'accord, tiens le goinfre Luma. Enfin, il a besoin de plus en plus d'énergie, lui. Ça lag pas. Oh là là, on prend la porte du Nether. C'est vrai que le Nether aussi, quand il va, ça lag. Moi, j'ai la ref. Putain, mais multiculturel. Les goinfres humains de Mario Galaxy, le Nether de... de Minecraft. Alors, qui est qu'on affronte? Hein? Tiens, tiens, mais ce sont les petites vermines qui, mortes de peur, courent dans tous les sens dans mon théâtre. Que pensez-vous de mes mises en scène? Le spectacle est-il terrifiant à souhait? Oui. Et pas la peine de répondre, alors comme ça il paraît que vous semez la pagaille. On m'a aussi dit que vous avez libéré une étincelliste alors que je m'étais donné tant de peine pour l'emprisonner. Vos efforts sont mignons tout plein, toutefois, ce n'est pas une misérable petite étincelliste qui changerait quoi que ce soit. Et Repto Flash, occupe-toi de ces indésirables, je voudrais juger de leur jeu. J'ai totalement oublié la voix que je lui avais donnée. Donc c'est quoi, c'est un serpent? C'est un serpent d'enceinte! Mais c'est bien au moins, c'est mieux que dans Papier Mario Origami King. C'est bien, quitte à prendre des objets qui existent, au moins rendez-les originales. Oh, la musique. Alors, je me permets, la musique, c'est totalement celle d'Undertale. Le jeu a été fait par Toby Fox. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de particulier? Ah, tu arrêtes le temps! Ah, d'accord! D'accord, ça marche comme ça, d'accord! Alors, comme ça, on reprend Dawardo de Dio et on reprend la musique de Undertale. On prend la TP du Nether qui lag comme dans Minecraft. Et en plus, pour débloquer le niveau, on a besoin de donner des fragments d'étoiles. Another Jojo référence, mais que de référence ce jeu. C'est incroyable. C'est beau. Moi, ça me fait des clips après. Bon, allez. Oh, des petits serpents. Mais fallait pas que je sois en haut, là. Ah, je peux pas retourner en arrière. Ah, tu n'as pas réussi. Bon, le niveau est intéressant dans l'idée, mais pas trop non plus. Et du coup? Là, je peux le taper. Pouvoir magique! Hop là! En fait, je crois que j'aurais pu l'affaiblir un petit peu. Plutôt. Alors pas forcément l'affaiblir, mais au moins le stun.
Là, j'y suis vraiment allé en mode vas-y, ça. Oula. Merde. Mais c'est marrant cette, ce Zawarudok là. En vrai, c'est une bonne idée. En vrai, le boss est sympa. Alors honnêtement, je trouve que c'est... Mais... extrêmement simple pour un boss, mais j'aime beaucoup l'idée. D'ailleurs, un truc que j'aimerais bien faire, j'y ai pensé d'ailleurs tout à l'heure dans ma douche, c'est de faire, et d'ailleurs je vais noter le truc, c'est de faire un top ou une tier list de tous les boss des Mario 2D. Top slash tier list des boss de Mario 2D. Et idem des boss des Donkey Kong Country, parce que là en vrai de vrai dans les Mario 2D il me reste plus que 3 jeux, et dans les Donkey Kong Country bon ça va mettre du temps, mais il me reste que 2 jeux en soi, mais ouais je pense qu'ils me prendront un certain temps quand même. Non mais bonne idée le coup du Zawarudo. Ouais ça c'est une espèce de stun du coup en effet. Ah bâtard. Bon j'imagine c'était le dernier coup. Bon voilà, ce qui est dommage avec ce boss c'est qu'il est vraiment extrêmement simple. Zasnakudo. Non mais cool de fou en vrai. Ah là je vois là j'ai une espèce de mèche de cheveux qui tombe. Mes cheveux là ils tiennent mal là. C'est frustrant. Et encore une fois, dès que tu bats un boss, c'est instant transition chargement. T'as aucune musique de GG, bravo. Y a pas ça. Bravo. Incroyable. Quel génie. Je suis obligé de le faire moi-même. Mais c'est dommage. J'ai gagné. Alors, c'est Sira qui fait tout ce bazar dans notre super théâtre. Avec sa bande, elle cache toutes nos pièces, c'est horrible, je ne peux pas les laisser faire. On ne peut pas les laisser mettre la pagaille comme ça. La pagaille comme ça. Sauvons le plus vite possible les autres pièces. D'accord. Non, sympa. Sympatitoche, ce boss. Par contre, il n'y avait pas de shop dans cet étage, du coup. Donc t'as des espèces d'extra comme ça. Ça sera dans le 100%, hein. Mais je le ferai pas tout de suite. Mais si ça se trouve au premier étage, il y avait ça aussi. Donc concrètement, c'est de faire un Flappy Bird. Ça me permet de débloquer un nœud papillon. Voire plusieurs. J'ai pas fait gaffe s'il y en avait plusieurs. Bon, dans tous les cas, on le fera dans le 100%, ça. Mais je regarde, est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a moyen que celui-là, oui. Ouais. Répète la pièce de l'épéiste. Élimine autant d'ennemis possible. Sans prendre de dégâts. Ah ouais, non, c'est ça, au bout de 60. D'accord. Donc j'imagine à chaque étage, sachant qu'il doit y en avoir 4 ou 5, tu as à chaque fois un petit défi. Ah et du coup elle est revenue vu que je l'ai sauvée. Donc pareil j'imagine qu'à chaque étage,
Si je sauve la... La théâtrine du... La théâtrine ninja, pareil, elle y sera. Les amulettes cœur, les acteurs, gna gna gna. Tu veux une amulette cœur? Bah non. Attends, je relis. Parce que je crois que j'ai mal compris. C'est utile ça? Ah. Ah ouais, une amulette cœur, c'est si t'es nul, ça te donne 3 cœurs en plus. Ah, le fameux album photo. Est-ce que ça fait partie du 100% ça? Après, en vrai, pour moi, le 100% c'est juste d'avoir toutes les tenues. Hein. Toutes les tenues et tous les récoltables. Hein. Je pense pas que je vais me faire chier de... Enfin, est-ce que sur speedrun.com, on a déjà les catégories? Princess Peach. Princess Peach Showtime. Alors, est-ce qu'on a la data? Ah, en fait, on va le voir tout de suite. Est-ce que dans l'album, t'as un album par level? Ah ouais, mais en plus, rien à foutre. Ah bah, mes miniatures, je sais où je vais les trouver maintenant. Oh, celle-là. Affronte les arbres. Vas-y. Je vais le prendre maintenant, comme ça, c'est fait. Ah, en plus, j'aurai une miniature de bonne qualité, c'est bien. Alors est-ce que ma capture se fait? Ah, j'ai plus de connexion. Ouais, donc ce à quoi je m'attendais est arrivé. Oh, par contre non, t'as vraiment... Ouais, parce que là il m'en manque. Ah, ça veut dire qu'il y a un deuxième niveau de ninja et qu'il y aura le niveau final. Ok, donc ça, en fait, ça te permet de savoir dans quel level t'as pas le 100%. Oh, c'est pas plus mal. Après, j'imagine les musiques et les films, bah, quand tu joues au jeu tranquillement, tu les as tous. Et là, bon, bah, voilà, pareil. Non, en vrai, je pense que c'est très dur de rater des choses. Bon, par contre, Internet, ça revient ou pas? Je vais vérifier... Ok, Internet vient de se reconnecter pour moi. Je crois que le stream c'est en train de revenir là, ouais. Je crois que c'est revenu. Excusez-moi, c'est free. Au début du stream, j'avais dit, il y a moyen qu'à un moment ça crache. Le NI% se fait en 2h40. No death abuse? Ah, attends, si tu crèves, ça veut dire que tu peux gagner du temps dans des levels? Alors, le 100%, show rules. Alors, trouver le PNJ Ribbonneur de chaque level, récupérer toutes les gemmes scintillantes dans chaque level, débloquer toutes les robes de Peach et les rubans de Stella, trouver les jeux de cache-cache dans chaque jeu. Trouver les jeux de cache-cache dans chaque jeu. Obtenez un trophée d'or dans chacun des 5 défis de répétition de jeu. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant, le truc de l'épée, le truc de la paravoile. Recevez les récompenses Sparkle Gem pour chacun des 5 défis de boss. Débloquez toutes les décorations du Sparkle Théâtre. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais le jeu est court. Hein. Mais ça, je le savais que le jeu était relativement court. Bon, bah, intéressant. Et du coup, est-ce que ici j'ai des trucs à acheter ou c'est fini, Tito? Peut-être au troisième étage, j'aurai des trucs à racheter. Ah ok, donc non, on en a des nouvelles. Oh vas-y, vu que j'y suis. Yay! Non bah, moi j'aime beaucoup ma... Horrible celle-là. Même en skin Smash, j'en voudrais pas. Ouais, Stella, elle a rien. Bah écoute. Ouais, du coup, concernant les défis, je les ferai en mode post-game.
Les défis de chaque étage, de toute façon, je regarderai sur internet pour savoir ce qu'il me manque. Eh bien, on est parti pour le troisième étage. Aka un peu le troisième monde, si on parle d'un jeu vidéo, bien évidemment. Théâtre de l'étincelle, étage 2. Alors, blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, peut-être qu'on a la Kung-Fu. Mission Ryuk, invasion alien. Ok. Donc là, on a la Cowboy V2. Alors, un truc que j'ai dit pendant ma coupure de l'internet. Mais dans Album, on peut voir là, c'était le premier niveau de la mousquetaire. Là, c'était le deuxième niveau de la mousquetaire. Et là, bah, c'était quand j'ai sauvé le théâtrin mousquetaire. Et donc, du coup, ça veut dire que pour chaque... Ah, mais du coup, ça nous spoil un petit peu. Ah, il y aura une transformation sirène, j'ai l'impression. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura deux niveaux pour chaque costume, plus un niveau où faut sauver vraiment le théâtrin du thème, on va dire. Et du coup, ça permet de savoir aussi peut-être ce qui a été 100%, enfin ce qui est manquant. Enfin bref. Donc on a quoi? Enfin, on a encore la cuisine, et là on a la sirène, ok. Bah celui qui m'intrigue le plus, c'est clairement celui-là. Je sais pas ce que ça peut être, la transformation. Peut-être en mode héroïne un petit peu. Vu que mission héroïque, invasion alien, je sais pas. C'est la découverte. Bon, faut être hyper focus pour ne rien louper. Hein. Moi, si je ne redémarre pas les niveaux, je suis content. Petite super héroïne. Eh bien, écoute, on est dans l'or, hein, elle affronte les méchants. Each time, wow. Oh, voilà, ils se font aller, allons vite les sauver. Non, il faut pas vite les sauver, il faut d'abord tout tester. Peach a UI. Aussi, on va se faire enlever. Il s'est passé quoi là? Alors, ferait mieux d'aller se cacher. Là, ça, c'est activable. Ah ah! Je le savais. Je sais pas, moi je suis traumatisé, je veux interagir avec tout, ok. Moi je veux pas redémarrer les niveaux si possible. Non, mon argent! Il faut qu'on intervienne! J'ai peur d'avoir déjà loupé quelque chose. Normalement, c'est pas le cas. Oh! Trop fort. Bon, j'ai pas loupé le premier truc. Piou piou piou! Ouah, les animations de laser, elles sont trop bien faites. Oula. La rue! Est-ce qu'on peut monter? Non. Formidable! Faudrait mieux d'aller se cacher, bon d'accord. Je préfère vérifier au cas où, c'est pour ça. Oh le feu! C'est beau, mais ça brûle. Monsieur! Je t'ai sauvé! Ah ah! Est-ce que je peux aller derrière? Non, je pense pas qu'il y ait autre chose avec lui. Alors je t'aide et du coup, je vais m'en sortir. Toi aussi, je peux t'aider? Toi, je peux t'aider? Non, il s'en fout. Oh! De l'argent. Je peux faire un truc avec toi? On peut peut-être prendre une autre rue. Attends, je peux pousser cette voiture? Ah non, j'ai cru que j'étais en train de la pousser. Merci pour ton aide. Je peux pas éteindre le feu? Il brûle le feu d'ailleurs? Ah non. Des extraterrestres. Faut s'abriter, hurrah, blablabla. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si j'ai pas envie. Ah. Au feu. Ah oui, là c'est un vrai feu pour le coup.
Et lui, oui, le feu, oui. Y a pas moyen de monter quelque part là? Ah non, j'ai l'impression. Putain, en vrai, on aurait pu réavoir une transformation ninja là. Avec le parchemin de l'eau. J'aime le bruit blanc de l'eau. Oh! Let's go, je... Ok, j'en ai pas raté pour l'instant. Moi, je me bats pour ça. On est arrivé! Une véritable héroïne, le périmètre a l'air sûr. M'inquiète pour les bureaux. Laisse-moi deviner, je dois aller par là-bas. Mais avant ça, il y a des choses avec lesquelles interagir, peut-être. Genre, là. Non. Eh bien, avançons. J'ai comme l'impression que je n'ai pas le choix. Paf. L'argent. Alors, est-ce qu'on a déjà la transformation? Je pense qu'on va bientôt l'avoir. Les bureaux sont en feu, il faut faire quelque chose. Oh putain. Oh, c'était un vrai cri du cœur, lui. Ah, c'est un savant fou. Vous êtes fou, monsieur. Vas-y, donne-moi la transformation qui va spawn ici, bien sûr. Ah. Merci, tu n'es pas ordinaire, c'est moi. Oh, personne ne s'attendait à ce que ça apparaisse ici. Nous allons te tirer parti de tes talents. Fuis-moi dans mon labo. Oh merde, j'aurais dû aller à droite. 100% fallait que j'aille à droite. Fais chier. Professeur, vous êtes sans étouffe. Notre dernier rayon d'espoir. Activez le système. Venti, je crois que tu seras à la hauteur. Putain, en vrai, je me suis précipité, il y a moyen que j'ai raté quelque chose. Désintégration. Oh là là. Mais c'est ce que j'ai dit. Type psy. Non, électrique. Incroyable. Pitch super héroïne. Pitch type électrique. C'est Arceus, ça peut changer de type. Ah, et on saute haut, c'est bien. Putain, elle est sympa cette transformation. Maintenant, c'est à toi de nouer. Bon, j'espère que j'ai rien loupé. De toute façon, on le verra tout de suite. Hein. Si j'ai loupé des choses. Paf! Hop là! Moi, je peux rien faire de plus. Je vous ai sauvé. Nous devons nous mettre à l'abri. Protège-nous, s'il te plaît. D'accord. Y a-t-il des choses à faire? Putain, c'est horrible parce que je sais pas trop avec quoi je peux interagir. On ne vous laissera pas vous échapper. D'accord. Bon, j'imagine qu'à cet étage, ça sera ce pouvoir-là dont on aura besoin. Vu que c'est une espèce de beat'em all. Enfin, c'est totalement un beat'em all. Merci de nous avoir protégés. Alors, est-ce que j'en ai loupé une? Ok, let's go, j'ai rien loupé. Après, faut tenter quand même, hein, on sait jamais. Hein. Bon, là, on peut rien faire. L'argent. Ok, c'est assez évident qu'il y avait quelque chose. En vrai, ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres choses à faire. Est-ce qu'on peut éteindre le... Bon.
Oh, il y a du fromage qui est chaud là. Un incendie. Waouh, je suis menacé. Ah ouais. Et je peux faire quoi de ça? Parce que je peux pas le jeter. Bon, faut en faire un pont, j'imagine. Il est bugué votre jeu, non? Bah là, je peux rien faire, quoi. Ah, d'accord. Je ne comprenais point. Bon, par contre, on est d'accord. Là, c'est, ça rentre carrément dans les textures, bien sûr. Oh, mais comment allons-nous faire pour passer ? Incroyable. Bon, je vais tester. Parce que là, le triangle, voilà quoi. Voilà, à la base, c'est juste ça que je voulais faire, moi. Ah ouais, mais non, mais c'est bien l'argent, mais... Ah merde, putain. J'ai peur d'avoir loupé un truc. La dernière fois que j'ai eu un TP et pas d'argent... Ouais, c'est bien, on peut revenir en arrière. Alors c'est bien, j'ai cru qu'on pouvait retourner en arrière. Ouais, en vrai, je pense pas qu'on puisse faire plus. Peut-être ici. Oh. Là, là-dessus, là. Ouais, c'est... C'est rien de particulier. Ah, est-ce que ce serait lui le boss de la zone? Acquisition de spécimens humaine. Ok, c'est pas le boss. Ah, peut-être que si. Ah non. Waouh, je les ai sauvés. Tu as réussi. Ah. Putain, Par contre, rembourse-moi ma vie, là, parce que... C'est bon? Allez, donnez-moi un diamant, là. Ok. On est un fardeau pour toi? Oui, bande de cons, mais c'est pas grave. Je vous aime bien. C'est faux! Donnez-moi de l'énergie! Putain, remboursez-moi mes cœurs, je pars démarrer! Oh. Là, je pense que cette épée-là, par contre, ça nous donnera un petit diamant. Enfin, un petit diamant, un petit fragment d'étoile. Voilà. Je pense par niveau, doit y en avoir un qui te donne un fragment et un qui te donne des pièces, des TP comme ça. Bon, par contre, là, j'aimerais vraiment qu'on me rembourse ma vie, quoi. Mais de toute façon, il me semble quand tu crèves, tu perds rien, quoi. Alors, j'ai combien, là? Ouais, il m'en manque deux, en soi. Bon, là, j'imagine. Oh, stonk! Putain, j'ai gagné de l'argent, en plus. Ils vont se faire kidnapper? Personne ne s'y attendait. Ah, ça fait une Pokéball, j'ai la ref. Ils aiment bien placer des Pokéballs, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le scientifique. J'arrive en retard, désolé. C'est ce qu'il te faut pour ce genre de situation. Utilise cet appareil, dépêche-toi. Non. Est-ce que j'ai envie? J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Après, on peut tenter. Ah non, il n'y a vraiment rien à faire. Désintégration en cours. Ouais, j'ai un jetpack. Utilise ton pouvoir et sauve tout le monde, nous coûtons sur toi. Oh non, c'est le moment où va falloir rien rater.
pense qu'il faut les sauver tous, sinon t'es baisé. Faut tout casser et tous les sauver. Et je crois que j'en ai loupé un avant. De toute façon, on verra. De toute façon on verra, mais je pense que si t'en sauves pas un seul c'est mort. Ouais mais 100% ça sera un beat'em all, le défi pour le 100% qu'il faudra faire dans cet étage. Ah non c'est bon, je les ai tous eus. Ok, bon bah boss final. Bah tant mieux, ça veut dire que j'aurai pas besoin de redémarrer le niveau. Putain, encore une musique Pokémon. Alors comment on peut faire pour le taper lui? Ouais peut-être que le petit coup de poing, c'est lui qu'on peut parer. Tout à fait. Bon, je suis en train de spammer un, je sais pas si ça sert à quelque chose. De toute façon j'ai l'impression que je suis invincible. Je spamme un toujours, je ne sais pas si ça sert. Paf! Ah, c'est tout. Bon. Bon bah au moins, on se débarrasse du level. Vite fait, bien fait. Oh bah c'est rigolo, c'est rigolo. Merci à tous. Let's go. Oh, 181. Vive l'argent. Oh l'argent. Ouais. À suivre. Putain, par contre, je redoute tellement le moment où si je veux 100%, il me faut une tenue qui coûte très cher et que j'ai pas assez d'argent et que je dois refarmer en boucle des niveaux pour avoir de la thune. Après, il y a un monde où les défis, en les faisant en boucle, ça te donne de la thune. Bon bah c'est cool de 100% directement les levels comme ça. Bon bah next. Donc le niveau numéro 2 du Quaboy. Le Quaboy. Après je crois les niveaux 2, enfin quand c'est le retour d'un costume, t'as moins d'étoiles. La dernière fois c'était le cas pour le... Soit c'était le cas pour le troisième level mousquetaire, soit c'était le cas pour le deuxième. Je crois que c'était le cas pour le deuxième. Après on va le vérifier dès maintenant. Et surtout, on va avoir la transformation dès le début. Et oui, vu qu'on l'a déjà. Ouais, et en effet, on en a que 7 à prendre. En vrai, Peach... J'ai besoin de Mario de sauver. Avec ce pouvoir, elle peut bouser tous les jours de la semaine. On est d'accord. La terre tremble. C'est quoi son pouvoir déjà? Ah oui, c'est de... D'accrocher les vermines. Vermine. Bon, je sais pas, on va juste avancer. Wow, qu'est-ce qui se passe? Wouhou! I like trains. J'ai la ref. Encore une ref, Nintendo. Nos maisons! Ils vont saccager toute la ville. On ne peut rien faire contre eux. Ipf! Oh, c'est le retour du cheval blanc d'Henri IV. Dada, je suis un cheval. Le cheval a l'air de vouloir t'aider. Nous comptons sur toi. Ouah, le plan. Paf. Merde. Oh non. Oh j'espère fallait pas être en haut. Ok, let's go. Ah, j'ai eu peur. Ah là c'est une chance sur deux. Hein. On va raser la ville. D'accord. Bon après ça va, on a les pièces. Bon là j'imagine ils font ralenti en mode ouais tu vas crever alors que pas du tout. Ok moment concentration.
Voilà, j'étais concentré. Il y en aura plus loin, certains pour sauter dans le train. Genre là. Au revoir, Rudada. Et la partie 2 du niveau. Est-ce que je peux mourir? Oh, nul. Allez, sur le train! Oula. Ah ouais, il tire! Aïe. C'est rigolo, cette course-poursuite. Qu'est-ce qui se passe si je tombe là? Je meurs. Non. Pas du début. Oh, bon! Oh, c'est bâtard de nous faire restart. J'ai vraiment fait ça pour tester en plus. Oh, va te faire foutre. J'ai essayé de rusher. Ça dégoûte. J'essaie d'être stylé. Ouais, en plus, faut vraiment juste mettre son joystick vers la droite, quoi. Ouais, en fait, t'es obligé de marquer une pause là où je suis tombé. Ah non. Qu'est-ce que je peux bien faire? Par contre, j'ai un ruban à récupérer, non? Ouais. Je sais pas du tout à quel moment. Faut que tu arrêtes le train et vite. Peut-être là bientôt. Mystère et boule de gomme. Ah, ça veut dire que ça va nous... Ça va nous servir pour avoir le fragment d'étoile. Je rappelle que le 100% c'est tout. Ah bah le voilà. Le monsieur dont je parlais. Bon bah voilà. Maintenant plus qu'à espérer que je ne rate rien. Une pêche rapin. Piou. Voilà. J'essaie d'être focus hein, pour rien rater aussi. Hein. Ah, ok. Ah, il est derrière. Ah, oh, fait chier. Et est-ce que... Ok. C'est bon. Ça m'aurait fait chier de restart pour ça. L'argent. Ok, normalement c'est bon, là j'ai juste à finir le niveau. T'es quand même sacrément collante, puisque c'est comme ça. Yo, un armoyeur. Ipf. Et pendant ce temps, là, ce brave cheval nous a suivi, alors que tu l'as quand même abandonné. Notre ville à ratiboisé. Wow. En fait, tu te demandes comment tout ça, ça tombe. Paf. Ah, on peut carrément retirer des roues, mais c'est vachement dangereux. Eh bien, si je dois partir... Je t'emmène avec moi.
Oh putain, je pensais pas qu'il y aurait des cailloux. Paf. Bon, il va s'arrêter le train ou... Ouais. Quand même, au bout d'un moment... Bah voilà, elle vient d'assassiner, elle vient de provoquer littéralement un accident de train. Est-ce que c'est bon pour elle? Bon bah, nouveau niveau first try. Troisième de suite là. On enchaîne. Hein. Après, je pense que les niveaux comme ça, en vrai, ça sera pas rare que je l'ai 100% du premier coup. Mais tant mieux. Moi, ça me fait gagner du temps. Je suis content. Parce que là, j'ai déjà fait 4 levels en 1h30. C'est-à-dire que bah là, avec la moitié du temps de stream que je veux utiliser pour les streams de ce style, enfin de let's playing du mercredi, bah là, j'ai déjà fait plus de la moitié. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement faire un petit peu plus si je suis vraiment large dans les tons. Bon, j'imagine du coup que là, je viens de débloquer le bonhomme qui est dans le moins 1. Mais je pense que ces bonhommes-là, à part si je suis obligé de les faire, je pense que je les ferai genre au dernier stream où on fait tous les trucs un peu bonus, pas obligatoire. Je pense que je vais d'abord rusher les 10%, certes en faisant le 100% des niveaux sur mon chemin à chaque fois, mais voilà. Ah, c'est le tour de cuisine. Oh, voilà la pâtissière. C'est ma matissière. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas sauter, on peut rien faire dans ce mode. On veut des gâteaux. Je veux grossir pour avoir du cholestérol. On a organisé une fête pour Halloween. Putain, en vrai, avec les mille... Franchement, j'ai trop envie de faire une vidéo de ce jeu. En vrai, je me dis, il y a tellement de... Juste pour moi, parce qu'il y a des vannes que je trouve rigolotes, en vrai. Parce que Mario Wonder, flemme, tu vois. Mais ce jeu-là, en vrai, il y a tellement de trucs à dire. On vous donne des gâteaux. Oh, putain, c'est trop bien, moi. Trop bien, les gâteaux. Ok. Puis je retourne à la cuisine. Y a pas des trucs, là? Ah, j'ai pas parlé au bonhomme du milieu. Ah, j'ai skippé un bonhomme, j'ai peur d'avoir loupé quelque chose. Déguster nos délicieux biscuits d'Halloween. Ah, youpi, j'ai trop hâte. Oh non. Non. Les gâteaux, j'en veux, gâteaux. Mais non, vous refaites Poké Park 2. Mais non, mais j'ai la ref encore. Mais ça... Mais arrêtez. Ça suffit. Je suis censé faire quoi, là? Seulement, on avait des biscuits spéciaux. Mais attends, mais j'ai aucun pouvoir, là. Je peux rien faire. Peach, trouve la cuisine. Elle est là, la cuisine? Oh, elle l'a senti. Trop forte. Ne rentrez pas. Oh là là. Trop fort. Elle a l'odorat. Elle sait où se trouve la cuisine. Retourne là où tu es né. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, patron? Patron... Ils viennent par ici. Gâteau, gâteau. Ah, vous voulez des chats, ça tombe bien. Ces gâteaux rendent les gens heureux. Ils pourraient aussi les rendre normaux. On va les retenir fait de ton mieux. Oh, je connais. Éclair au chocolat. Paf. Danger, mon gâteau. Oh, gâteau. Oh. En fait, c'est France. C'est vraiment le défi France, ça. C'est pas aux États-Unis que tu trouveras ça, c'est sûr. Faut viser les deux côtés du macaron. Du macaron.
Je reconnais bien ma friends. Si ça se trouve, c'est des vrais desserts de la vraie vie. Très probablement, en vrai. Waouh. Bon, par contre, à quel moment, moi, j'ai mes petites étoiles, là? Peut-être que là, c'est le tuto. Ah, j'avais pas vu en haut à droite, là, j'ai fait tous les gâteaux. Waouh, regarde. C'est Stella. Regarde, Stella, ils ont mangé ta sœur. Et du coup, j'ai gagné. Bravo à moi. Voilà, j'ai fini le niveau. Trop fort. Bravo. Bon appétit. Oh, j'ai de l'argent en plus. Ils sont tous revenus à la normale grâce à toi. Tu dois aller aider les autres. D'accord. Merci de ton aide. Ouais, bon bah... Je sais pas ce que je pourrais faire de plus, hein. J'ai l'impression que ce niveau, ça va être vraiment que ça, quoi. Genre, j'aurai 3 défis du genre, et après, il y aura le défi un peu final, quoi. Ouais, je pense pas qu'en arrière, il y ait grand-chose. Peut-être ici. Non. Non, et là, c'est vraiment le début du level. Ouais, non, si je peux ne rien louper, parce que ça, c'est le genre de trucs qui sont très longs à faire. Ah oui, ici, c'est suspect. Sérieusement, c'est juste un endroit qui est... Ah oui, quand même. C'était quoi? Je sais plus quoi. Ah, faut que je monte. Gâteau, gâteau, gâteau. Hop. Hooray! Donnez des gâteaux. Trop, trop bien. J'ai gagné. Ouais, c'est ça, il faut regarder partout. Cuisine! Qu'est-ce qui a pu les mettre dans cet état? Je me le demande. Position de la victoire. Ils s'en foutent. Avançons. Les gâteaux, encore. Ah, merci. Ah. Peut-être que grâce à tes biscuits. N'empêche, excusez-moi, mais de la pâte comme ça, ça fait pas des biscuits. Hein. Normalement. Comment on leur donne? Ah, comme ça. Ah ouais? Free comme ça? Ça se trouve, c'est vraiment au niveau giga free. Hein. Ready. Nice. Cadeau. Mange. Donne-moi des fragments d'étoiles. Il y en a encore là-bas. Non, fragments d'étoiles. Que je peux encore en refaire. Si ça se trouve, en forçant, en leur donnant du cholestérol, je peux obtenir des étoiles. Putain, bande de petits cons. En plus, je peux pas me débarrasser de mes gâteaux. Qui va les manger? Ah, oh merde, j'ai raté un truc ici en plus. Oh non, la vanne, attends. Ah merci putain, si je les gardais. Parce que je l'ai pas vu ici, mais j'ai raté quelque chose. C'est juste de l'argent. C'est pas grave, moi j'aime bien l'argent. Bon, en vrai, je pense que j'ai tout fait ici. Bon, encore une fois, je ne veux rien louper. Je ne veux pas relancer les niveaux. J'ai faim, gâteau. C'est terrible, les arrivants. Bon, là, j'imagine va falloir faire la truc en entier. Donneur le plus de biscuits possible. Ça tombe bien, je suis une femme. Je suis efficace dans cette tâche. Je vais appeler des renforts. Non, ne t'en fais pas. Tu me sous-estimes. Il faut les mettre où? D'accord. Bon, prenez en compte que c'est que du second degré ce que je dis quand même. Hein. Vraiment, je suis...
je me considère pas du tout comment. Bon, après c'est moi qui le dis, mais bon, moi j'aime bien faire des blagues. Ah, y a du monde là à droite là. Ah mais attends, c'est un plante versus zombie. Mais PTDR, mais c'est trop marrant. Ah, et j'imagine que s'il pète une barrière, moi je suis baisé. Merde. Bah ouais, mais c'est hyper dur du coup. C'est hyper dur du coup. Ok, non, t'es obligé de réussir. Oh, c'est hyper dur ça. En fait, t'es obligé de perfect. Non, c'est intéressant de faire une espèce de plante versus zombie comme ça. Ah merde, j'aurais donné trop tôt. J'aurais pu me débarrasser de ceux qui étaient derrière aussi. Alors que là, je vais me débarrasser de tout cela, quoi. Ouais. Voilà, ça va être chaud. Hein. Putain. Ok, ils ont compté. Non, ils ont pas compté derrière, il y en a qui sont pas passés. Oh non, s'il vous plaît, non. Pas à une demi-seconde près. Oh non, je veux pas redémarrer votre niveau, s'il vous plaît. Bon appétit. Est-ce que je les ai tous eus? Oh putain, j'ai trop peur qu'il m'en manque genre un seul. Oh la blague, il m'en manque un seul, non. Non, faut que je redémarre le niveau, mais va te faire foutre. Putain, la blague. Mais je ne peux pas être plus efficace. Ah, oh, mais la blague. Putain, mais le niveau est lent. Le niveau est lent du cul. Chier. Putain, c'est lent. J'aimerais avoir une pâtisserie. Oui, tiens, une pâtisserie. Tenez, bande de petits enfants. C'est chier. En plus, le niveau est fini, on l'a vu. Faites pas genre, le niveau il est fini. Faites pas genre, c'est fini. Regardez, tenez là, mangez tous. Mangez du cholestérol. Ça y est, ils sont tous contents. Oh bien. Ça tombe bien, moi aussi je suis heureux. Je dois relancer le niveau. Je suis vraiment genre trop content, tu vois. Fais chier, putain. J'ai pas envie de le relancer. Putain. Surtout, enfin, en fait, ce qui m'énerve, c'est que vraiment, fallait juste laisser l'animation se faire. Moi, j'avais fini. Fallait juste laisser l'animation se jouer. Mais là, ce qui m'embête, en fait, c'est que je vais devoir relancer le niveau, quoi. Après, en vrai, je suis dans les temps. On sent la joie dans ta voix. Tout à fait, tu as bien raison. Ça y est, j'ai débloqué le pouvoir de la cuisine. Ouais, que la beauté, qu'elle est drame spéciale, devra le voir. Non. Avant ça, il faut retourner dans la cuisine. Je dois retourner à mon poste. Mais ouais, y a un moment où il y avait une petite vague là où ils étaient deux. Enfin, où ils étaient quatre et derrière il y avait une autre vague. Et si j'avais attendu une demi-seconde de plus, je pense que j'aurais pu me débarrasser de tous d'un coup.
Mais là, ouais, je vais rusher le niveau. L'avantage, au moins, c'est que je le connais, je dis plus les dialogues et tout, je prends plus mon temps. On sait, je sais où se trouvent les trucs. Mais bon, c'est hyper frustrant, quoi. Mais en speedrun, ça doit être horrible, en vrai. En vrai, raison de plus de ne pas faire le speedrun, quoi. De toute façon, je l'aurais pas fait, il est trop long. Le jeu prendrait au moins 3 heures sans expérience et en étant très bon. Ah là là. Ils viennent par ici. Ce serait trop bien vraiment si on pouvait skip des parties de niveau. Ce serait tellement bien. Ou les dialogues, peu importe. Peu importe, mais pouvoir skip des choses quand même. Il pourrait aussi les rendre normaux, les gâteaux. Ah mais j'avais pas compris qu'ici aussi ils étaient en mode zombie. Ah c'est pour ça en fait tu peux rater ça. Gorgeous. En vrai rien ne m'oblige à les faire vraiment là non. Je pourrais juste rusher comme un débile non. Je pense que s'il bouffe le gâteau même si je l'ai pas fini ça doit passer mais j'ai pas les cristaux. Bon on va pas tenter parce que imagine ça me fait entre guillemets un game over et je dois encore restart. Ouais mais c'est timé hein. C'est timé j'ai l'impression. C'est juste que là c'est tellement facile que tu penses que c'est imperdable quoi. Mais en réalité non. Tada ! Ouais quoique là je dis ça j'aurais pu perdre hein. Putain le sourire qui est de côté là. Bon du coup c'est là où ça va être après chiant. En vrai ça va c'est assez rapide. Bon appétit. Je sais plus c'était dans quel jeu. Mais l'avantage de relancer les niveaux, ça me permettait genre d'obtenir de l'argent qui pouvait me manquer. Bah c'est dans Mario Wonder. Le fait de ne pas 100% du premier coup certains niveaux. Ah je suis obligé de faire ça. Le fait de ne pas 100% du premier coup des niveaux, et ben je les relançais. J'obtenais des pièces violettes qui me permettaient derrière bah, d'obtenir ce qu'il me fallait pour le 100%. En vrai je sens que ce jeu là ça risque d'être la même chose. Bon allez, le moment de vérité. En vrai, en 3 minutes, on revient ici. Ça va. Et au pire, si je vois que c'est la merde, je restart volontairement. Enfin, je perds volontairement. Genre là, c'est mieux d'aller à droite parce qu'ils sont beaucoup plus, tu vois. Là, pareil à gauche. Merde. Merde ! J'ai raté, je crois. Non, je les ai tous eus, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Pourquoi j'ai que deux ? Pourquoi j'ai que deux ? Je les ai tous sauvés ? Non, me dis pas qu'il faut finir 3 secondes en avance. Non mais je peux pas faire mieux.
c'est une vanne, je peux... Mais attends, ça... Je vais sur internet, c'est impossible, je ne peux pas faire mieux. Comment il s'appelle ce niveau de merde là? La fête de l'effroi. Vous foutez de ma gueule, je ne peux pas faire mieux. J'ai vraiment employé ma stratégie, j'ai fini 2 secondes en avance. La fête de l'effroi Princess Peach Showtime. Oh là, je vais m'énerver, vous foutez de ma gueule. C'est le combien qui me manque? C'est l'avant-dernier. Ouais, le niveau est court là, je vois. Même sur YouTube, c'est un niveau qui est rapide à faire. Par rapport à d'autres qui sont hyper longs. Appuyez sur le bouton B jusqu'à ce que vous finissiez par obtenir une couleur arc-en-ciel. Après avoir récupéré un maximum de cookies, donnez-les aux ennemis. Si vous êtes assez rapide, vous obtiendrez 3 collectibles supplémentaires. Bah, j'ai regardé... Je vais regarder sur l'internet ce qu'ils font. Ouais, dans la vidéo, il finit 4 secondes en avance. Je pense que c'est ça, hein, faut finir en avance. Bah, obligé de relancer. Hein. Bah, écoute, je vais regarder la... Je vais regarder la vidéo pour voir un peu la stratégie qu'il emploie pour le faire. Parce que là, pour le coup, c'est relou, quoi. Après, heureusement que c'est un niveau qui est rapide, mais bon. Ce qui est frustrant, c'est que je suis obligé de me taper la première partie. Ouais, à chaque fois, en fait, faut vraiment faire les trucs pâtissiers qui sont devant toi. Je sais pas, je regarde un peu, mais... D'accord. Ok, bah... J'ai vu le truc qu'il a fait, en fait. Les derniers qui sont à gauche, moi j'avais 2 rangées. Et là, dans la vidéo, en fait, il donne la bouffe à 3 rangées d'un coup. Du coup, ça fait qu'il économise un gâteau donné, quoi. En termes de temps, et bon. On verra, hein, de toute façon, je vais lancer jusqu'à ce que ça passe, quoi. Mais ce qui me fait chier, c'est que je suis obligé de relancer ça, quoi. Au pire, ça se fait rapidement, mais... Heureusement que le niveau est court, hein, mais vraiment, c'est frustrant, quoi. Tada ! On se serait bien passé de relancer ce genre de level. J'ai perdu toute joie de vivre, vraiment j'étais... Moi j'étais content, j'étais en mode ouais c'est mercredi c'est les let's playing et tout. Ah putain. En plus j'étais content, j'étais efficace là. Je one-shotais tous les niveaux que je faisais. Et là bah voilà, niveau de merde. Ah, là, il est bien droit, là, il est bien beau. Et ouais, heureusement, ça se lance rapidement, quoi. Mais tu dis ça, c'est extrêmement simple, c'est imperdable. Et après, t'as le truc d'après où, même sans faire d'erreur, tu peux ne pas gagner. Bon appétit. Au moins, l'avantage, c'est qu'on farme la thune, quoi, mais... Mais si ça se trouve, j'aurai trop d'argent à la fin. Mais là, c'est la deuxième fois que je relance le niveau, quoi. Ha!
Ah, c'est marrant quand elle atterrit, elle slide le sol un peu. Ça se trouve, des petits gâteaux, ça suffit. Pour le speedrun. Et oui, pour le speedrun. Bon, moment de vérité encore, là. De merde, putain. Oh, pardon. Honneur, le plus de biscuits possible. Ah là, j'aurais peut-être dû aller voir ceux du milieu. Quoique... Oh, on va ça changer là, je pense. Ouais, là, j'ai peut-être fait un bon choix de... dans mon truc. Donc là, ceux de la droite, je les laisse. Non, je suis un connard. Je suis un connard. J'avais pas vu que c'était la fin. Putain, j'avais réussi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'avais réussi. Là, si j'étais allé au bout... Ouais, je suis pas allé... Oh putain, je suis dégoûté, j'avais réussi. J'avais pas compris que c'était la dernière vague. Oh, fais chier, putain, je l'avais... Oh, c'est de la merde, ce niveau. C'est de la merde, faut pas faire ça. En fait, ce qui est trop frustrant, c'est que si tu fais pas exactement la seule façon pour que ça passe, bah, ça ne passe pas. Et là, bah, malheureusement, je l'avais bien faite, mais je pensais pas. Attends, c'est au bout de combien de temps ? Ok, c'est sur 20 secondes où tu débarrasses juste de la première rangée et tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Vas-y. On m'a obligé de se retaper. Hein. Surtout que le fait que je fasse redémarrer, je ne gagne pas la thune, je viens d'y penser. En vrai, faudrait que je termine les niveaux. Parce que là, ça veut dire que je fais vraiment les niveaux pour rien. Faut au moins que je les termine. Écoute, si je me rate, je le terminerai, mais... Mais bon, quoi, ça... Ça fait chier, quoi. Encore une fois, heureusement que les levels sont très rapides. Enfin, ce niveau est très rapide, mais... Vraiment, c'est chiant. Perfect, oui. J'imagine, c'est juste le dernier gâteau. Si tu rates les yeux, tu peux ne pas avoir tous les fragments d'étoiles ici. Vu que les yeux, je crois que t'as vraiment une chance, quoi. C'est un cercle, ni plus ni moins. Merci pour cette information. Je suis content de la voir. Ouais, c'est un loupable, ça, en fait. Hein. Oh, bravo. Bon appétit. J'ai de moins en moins d'entrain, c'est... Tous revenus normaux grâce à toi. Tu dois aller aider les autres. D'accord. Je vais y aller de ce pas. Oh, merci pour les cœurs. Ah ouais, mais non, mais en fait, tu te fais 150 balles à chaque fois. Putain, ça veut dire là,
Là, avec toutes les fois où j'ai redémarré, vraiment, j'ai perdu... Bah, j'ai perdu 300 et quelques, non? Bon. On est reparti. Ça, c'est le genre de niveau qui sont très frustrants, je pense, en speedrun, si t'es pas pixel parfait. Par contre, je sais plus là, faut... Attends, je vais juste regarder sur la vidéo. Faut démarrer à gauche ou à droite au début? Ouais, faut aller à droite. Parce que la deuxième vague, la première vague, elle arrive à droite. Concentré là. Ouais, là j'ai perdu du temps, je crois. Ok. Je suis baisé. Ah, là j'ai perdu. Putain, je suis énervé, c'est tellement frustrant. Ça me casse les couilles, ça fait 5 fois que je redémarre pour ça. Oh, ça me fait tellement chier. Oh, c'est tellement de la merde. Faut être parfait, tu fais une putain d'erreur. Pourquoi c'est passé cette fois? Putain, heureusement. Hein. Eh ben, écoute. Non, mais là, moi, j'ai l'impression que c'est random. Hein. Écoute. Heureusement que j'ai pas redémarré. Hein. Mais si ça se trouve, avant aussi, j'ai... Non, avant, ils m'ont vraiment mis la croix. Pourtant, j'ai fini en 2 secondes. J'ai pas compris. Pourquoi les fois d'avant, c'est pas passé, là, si... Quand je vois ce genre d'animation, mais vraiment... Mais qu'est-ce que je kifferais jouer au jeu sur un PC, quoi. Ouais, tu dis là, j'ai gagné 170, mais ça veut dire j'ai raté 170 x 3. Bon, on va enfin pouvoir faire un nouveau niveau. Et en principe, ça devrait être le dernier level qu'on fait de ce stream. Après, il y a le boss aussi, mais... Mais je pense qu'on va faire un niveau du prochain étage, voire deux. Mais je pense qu'on va en faire un seul. Et le niveau de la sirène, la mélodie de la merde. La mélodie de la merde. Allons-y. Oh, il y a Squeezie sur Super Mario Party. Putain, c'est ma sœur et même mes potes, ils me disaient, ah, est-ce que t'as Mario Party et tout. Putain, vraiment, moi, j'aime pas les jeux comme ça. Moi, les party games, moi, ils m'ont traumatisé, je les aime plus. Hein. Même quand j'étais petit, j'aimais plus ça. J'aimais pas trop particulièrement. La mélodie de la mer. Je vais me transformer en sirène et je vais
nager avec les poissons. Dans cette pièce, on trouve surtout des sirènes et une cantatrice avec une voix magnifique. Oh, bah comme ça, allez, aujourd'hui, on va pouvoir l'écouter chanter. D'accord. Oh là là, est-ce que cette noix de coco ne serait pas telle suspecte? De l'argent, je ne savais pas que les fruits feux... Mais attends, mais c'est dans l'ordre d'Animal Crossing, ça. De faire pousser de l'argent. Ah, j'étais persuadé qu'on pouvait aller derrière. Tu es aussi venu pour le concert. Oui, je suis venu pour le concert, et parce que je n'ai pas le choix de faire ce niveau, surtout pour finir le jeu. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Et s'il n'y a pas un truc, c'est... Non, c'est juste ça. On interagit avec tout. Le concert sera mémorable. La cantatrice va chanter aujourd'hui. C'est vrai. N'empêche, l'eau est magnifique. Oh. Paf. Ne donnez pas de l'argent, moi je veux des étoiles. Ah. Là doit bien y en avoir. Attends. On va pouvoir aller dans l'eau après. Bon, j'essaie vraiment d'interagir avec tout. Hein. Ah. Oui, let's go. Et de une. Oh la tortue. Ah, ça t'apprendra à être aussi long. Quelle cruauté. Guéris ma tortue chérie. Alors ça marche pas comme ça à la base les soins. Un garde est dans le niveau. Oh. Notre champ l'a aidé, c'est grâce à toi. C'est vrai. On te remercie, la tortue va te porter. Non, moi je veux aller dans l'eau. Dans l'eau, là, il y a des trucs, là. Vas-y, là, souffre. Je veux tomber dans l'eau. Je veux mourir. Putain, si ça se trouve, j'aurais pu aller sur la mini-île. Le concert est par là. Mais moi, je veux mourir. Oh putain, j'ai bien fait de vérifier. On pouvait interagir. Ah ah! De toute façon, je peux pas faire un jeu. On ne peut toujours pas rentrer, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Attendez un peu, s'il vous plaît. Où est passée la cantatrice? C'est presque pourtant l'heure. Sans cantatrice, il n'y a pas de concert. Où pourrait être l'étincelliste? Je ne sais pas. Mais moi, je. Ah, j'arrive. Je sais pas, comme d'hab, j'interagis avec tout ce que je peux. Je tourne, je m'accroche à la vie. Paf, de l'argent. Non. Je sais pas, je spam, hein, on sait jamais. Hein. Oh, est-ce que c'est... Nous sommes dans la cachette de la cantatrice? Cette zone me paraît bien grande. Bien suspecte. Non, là, il y a l'air de rien avoir. En haut, là. En haut à droite, là. Non, j'y ai pas accès. Et à gauche. À gauche, c'est la suite. Bon, on verra si j'ai loupé un truc. Hein. De toute façon, les premiers niveaux, ils sont longs à chaque fois. C'est les niveaux numéro 2 qui sont courts. Transformation, désintégration. Alors, Peach Sirène, elle ressemble à quoi? Prédiction, soit elle devient rouge, soit elle devient noire. Et c'était aucune des deux. Voir les deux, on sait jamais. Mais non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Enchanting? Je parle pas en anglais, désolé. Ah ouais, après tout se transforme en eau. Extension du territoire, là, je reconnais. Moi, j'ai la ref. Moi, j'ai toutes les refs. Oh là là. Paf.
Et je sens, je vais spammer de shorts à partir de la semaine prochaine. Là, presque chaque jour, il y aura des shorts sur, sur Princess Peach. Nous n'avons pas réussi à la trouver. Tu dois faire le concert à sa place. Le public attend, viens avec nous. Donc concrètement, là, on n'est pas Peach Oiseau, on est Peach... Ah, je savais qu'on pouvait aller là. Ils servent à quoi ces poissons? Ah, c'est moi qui les dirige. Ouvrez ça, esclave. Peut-être qu'ils peuvent pas à cause de moi. J'ai pas compris. D'accord, c'est bon. D'accord, donc mon pouvoir, c'est de diriger les poissons. Et entre guillemets, de fly. Par contre, c'est pas trop évident les endroits dans lesquels je pourrais... je dois faire ça. Mais vu le truc, j'ai l'impression qu'on sera... On sera que en 2D. Attends, j'en ai combien? J'en ai 3. Bonjour et merci de votre patience. Le groupe est au complet, enfin prêt. Bienvenue à notre concert. Nous allons vous jouer des morceaux divins. Et sans plus attendre, notre premier chant. Notre première Chan. Jackie Chan. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. C'est rigolo, il se passe toujours des choses. Oh, personne ne s'y attendait, ça n'arrive jamais. Nous allons devoir annuler le concert. Pire que nous allions commencer. Est-ce que je peux diriger les poissons? Non, je suis bloqué. Elle a dit quoi? Mais je peux... Je peux pas aller à gauche, il y a un mur invisible. Il y a un mur invisible à gauche, je peux aller à gauche. Bon. L'argent. Et c'est tout? En vrai, c'est dur de savoir avec quoi tu peux interagir là. Parce que là je te dirais c'est arrondi donc. J'aurais pu interagir avec, mais là c'est pas le cas. Oh, traverser les textures. Ah merde, les poissons ils sont plus là. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Ah si. Il n'y a que de l'argent. Alors j'aime bien l'argent, mais... Ah. Moi c'est ça que je veux. Ouais. Par contre là, le monsieur... Là, le monsieur moustachu, j'aimerais bien savoir où il est. Pas un truc en bas à droite là. C'est suspect ça. Ah, le refaire, ça sert? Au secours, sortez-moi de là! Rire. Avant ça, pizza. Paf. Ah! Ils sont des millions. Affronte les poissons. Paf. Merci, tu m'as sauvé la vie. De rien. Ici, est-ce que c'est un endroit de position? Non. Oh, mes potes, les poissons, ils sont partis. Ouais, mais moi, ce qui me ferait chier, c'est vraiment de louper moustachu, quoi.
pousser. Quoi? Ah, ok. Mais... Oh. Est-ce qu'on peut aller à droite? Oui. Ah, je suis coincé. Ah, c'est lui que je cherchais. Mais attends, il se noie pas là? Mais monsieur? Mais monsieur... Bon d'accord, il est fou. Ah oui, du coup on peut maîtriser les murennes. Oh, par le pouvoir de l'argent. Oh! Attention à ne pas trop baisser. Sinon on rate le fragment d'étoile. Ok, pour l'instant j'ai rien loupé. Bon, ici on connaît. Oh, attends. Gros truc là. Hop là. Hop là. Là, je suis baisé. Ah non. Ah, fallait juste le tuer, fallait pas le sauver. Ah, il se sauve tout seul. D'accord. Ah. Ouah, c'était pas évident. Putain, j'ai bien fait de regarder. En plus, je crois qu'ici, c'est la... Je crois que c'est le fragment caché, celui-là. Ah, merde, c'était l'argent. Ah, merde, non, non, si ça se trouve, je l'ai raté. J'ai raté celui que je... le plus important. Ah, oh, fait chier. Ah, j'ai pas pensé à regarder les étoiles de mer au sol. Après, je me suis baladé partout, hein. Si ça se trouve, je l'ai pas encore... C'est parce que c'est un nouveau. C'est un nouveau costume, et je crois que les nouveaux costumes, à chaque fois, t'as un combat de boss à la fin. Donc si ça se trouve, ça va être juste avant la salle du boss. On aura un TP comme ça. En vrai, je pense pas. Ah, ah bah voilà. Ici. Bah, parfait. Ok, donc avant, j'en ai vraiment pas loupé. J'étais pas fou. Bah, il y a moyen que je one-shot ce level pareil à 100% directement. Parce que là, j'imagine, sur ce que je vais faire maintenant, doit y en avoir un, et après, bah, comme d'hab, quand tu termines le niveau. Faut faire quoi? Faut les séparer? Bah, trop fort. Il comprend direct. C'est là qu'on voit qui est un gamers. Ok. Et un autre. Et normalement, ça y est, le 100% du level de sirène. Oh, tu m'as sauvé! Non, c'était elle, la chanteuse? Notre public attend, dépêchons-nous. Oh, je suis une tortue. Grande, de bois, dans l'eau. Cette gentille tortue va nous y emmener. C'est vrai? Hein, quelle gentille tortue. Alors, si ça se trouve, la tortue, c'est un animal qui est vraiment horrible. Ah, mais la tortue, c'est vraiment le... C'est vraiment l'animal le plus gentil de la mer. Quoi. Le concert aura lieu. Enfin, trop bien. Est-ce qu'on finit sur une espèce de mini-jeu? Je ne sais pas. Désolé de vous avoir fait attendre, ce concert promet d'être exceptionnel. Ah, c'est vraiment un mini-jeu. Oh, c'est des notes de musique poisson, c'est rigolo. Non, je reconnais, j'ai fait un mini-jeu comme ça avec Undyne dans Undertale. J'ai la ref, j'ai encore la ref.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté Undertale la première fois, c'est parce que j'arrivais pas au combat d'Undyne. C'est une vanne ? Mec, c'est... Pourquoi ? Thank you very much. Mec, ce jeu me cherche. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Encore une fois, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Eh, ils me cassent les couilles avec leur mini-jeu de merde là où tu fais pas un truc. Enfin, où il y a un truc que tu fais mal, tu sais même pas ce que c'est, et tu rates à cause de ça. La mélodie de la mer, Princess Peach Showtime. On va regarder instantanément pourquoi c'est pas passé. Putain, le 100% du level en 11 minutes, j'y crois pas trop. Hein. Ce niveau est assez lent quand même. La dixième s'obtient automatiquement lorsque vous terminez le concert sans erreur. Je suis désolé, à quel moment j'ai fait une erreur. C'est quoi? C'est parce qu'à la fin, j'ai switché au niveau des poissons? C'est parce que j'ai eu un peu peur et sur le gros dernier poisson, j'ai switché? Est-ce que ça a été ça mon erreur? Je suis en train de regarder la vidéo, mais ouais, c'est tiltant. J'ai littéralement fait comme dans la vidéo. Après, ça aurait été bien d'avoir un replay pour voir, mais il y a moyen que j'ai switché genre un tout petit peu trop tôt. Par contre, là, encore une fois, ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir me taper 10 putains de minutes et peut-être me rater. Bon, j'ai débloqué le boss, mais on fait pas le boss tout de suite. Hein. Mais j'aimerais bien... Je vais me permettre de dépasser les 3 heures de stream. Demain, j'ai pas cours, je me couche à l'heure que je veux. Donc, je me permets, je vais probablement dépasser les 3 heures de stream. On 100% ce level, on fait le boss, et on 100%era un seul level dans le prochain étage. Voilà, moi, c'est si je fais un best-of de ce jeu, bah, je vais vraiment pleurer. On verra. Faut que je relance en entier, mais putain, j'ai pas envie. Ah. Il faut se dire, allez, ça se fait en 10 minutes. Si tu sais ce que tu fais. Allez, ça se fait vite. Peach time, oui. Oh, dans cette pièce, on trouve surtout des sirènes. D'accord, c'est super. C'est super, Stella. Je suis content. Ouais, on va en profiter pour ouvrir les noix de coco sur le chemin. Pour l'argent. Guéris ma tortue chérie, blablabla, blablabla. Bla bla. Bien sûr. Allez hop. Expulsion du territoire. Mais j'ai vu des toc-toc comme ça en mode Zemmour. En mode Sukuna. Non, comment? Gojo. En mode expulsion du territoire. C'est rigolo. Après, Peach, elle nous a fait ça. Hein. Déjà, à chaque fois, elle fait. Elle fait disparaître tout le monde. Là, c'est vraiment expulsion du territoire et hop, elle se fait spawn de l'eau. En vrai, Peach, si on doit lui donner des types dans le jeu, on a type électrique, on a le type eau avec la ninja et là, la sirène.
Mais en vrai de vrai, on a aussi le... Le type électrique pour la super-héros. Le type Ola. Le type psy aussi, on a eu. C'est vraiment chiant qu'on puisse pas skip les dialogues. Bon, c'est pas grave si ça me donne pas beaucoup d'argent. Oh, est-ce que nous sommes à la cachette de la cantatrice? Non, jure. Bon, du coup, ça, je peux skip. Et je sais, c'est grâce au joystick gauche qu'on peut activer le skip. Dès que c'est l'animation. Paf. Bon, ça, j'ai dit de la merde. Ça a pas marché, le stick. On the ground. Ouais, c'est très frustrant de pas pouvoir skip les dialogues. Pour moi, ça fait un peu partie des défauts du jeu, quand même. Parce que c'est vraiment très frustrant. Le jeu est lent, le jeu est linéaire. Et le fait de pas pouvoir skip les animations et les dialogues, c'est vraiment, bah... Quand tu dois te retaper un niveau, tu dois vraiment te le retaper en entier, quoi. Je dirais que c'est un petit peu de la paresse parce que ça veut dire que chaque niveau est... Comment ? C'est un petit peu de la paresse peut-être au niveau du code. Parce que ça veut dire que le niveau n'est jouable que d'une manière, quoi. Enfin, il y a zéro rejouabilité. À part si tu relances le level dans mon cas, bah parce qu'il te manque un truc. Malheureusement, c'est ça, quoi. Bon, l'avantage, c'est que je peux rusher. Je peux me permettre de rusher un peu bêtement. Alors, on prend ça parce que c'est sur le chemin. On fait ça parce que, bah, on est obligé. En vrai, ça va, le niveau il se rush. Parce qu'après, moi, la vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo du 100%, quoi. Qui dure 10 minutes. Donc en réalité, le level est même un peu plus court que ça. Parce que là, bah, j'ai juste à descendre. Bon, pareil, vu que c'est sur le chemin, là. Autant la prendre. Ouais, du coup... Ah non, t'es obligé de... Ouais, t'es obligé de tous les bouger au moins une fois. Tu m'as sauvé. Oui, de rien. En vrai, je suis déjà à la dernière phase. En vrai, ça va, le niveau est rapide quand tu le rush. Après, c'est parce que j'ai la chance d'avoir tout fait, quoi. Ok, let's go. Bon bah, moment de vérité. Surtout, ce qui est frustrant, c'est que le mini-jeu final est très simple et très court. Mais ça fait chier d'attendre aussi longtemps pour pouvoir le relancer. Ah merde, fallait que je remonte. Mais pareil, je trouve qu'il est dommage, c'est que t'as énormément de moments dans le jeu où c'est de l'animation, du dialogue, où toi t'agis pas. Je sais pas, pour le coup, noter un animé, pourquoi pas, noter un film, pourquoi pas. Noter un jeu, je suis beaucoup moins fan parce que ça dépend du contexte, du temps dans lequel le jeu est sorti et tout. Et pour le coup, si je devais donner une note, celui-là, je lui donnerais, allez, 6. Allez, pour l'instant, je lui donnerais, allez, peut-être 7, tu vois. 6,5-7 parce que, ouais, il est bien, c'est fun et tout, mais bon, il est pas insane, il a des défauts, évidemment, il est sur Switch, c'est un défaut. Bon, moment de vérité. Est-ce que je vais devoir relancer encore une fois un niveau ?
Sachant que c'est chiant de relancer des niveaux. Je sais pas à quel point ils peuvent s'approcher de moi en plus. Je vais bien attendre. Parce que là, je crois après c'est rouge et après c'est le jaune. Là, c'est bon. Là, j'ai bien attendu le gros qui soit fini. Ouais, mon erreur, ça a été ça, je pense. C'est juste que le jaune, j'ai switché trop vite. Je pense que c'est juste ça, mon erreur. Mais heureusement, le niveau était rapide à relancer. Bon, c'est bien, ça fait de la thune. Putain, je suis déjà à 1500. Bon. Je vais faire un petit tour aux toilettes. Je vais prendre une bouteille d'eau. Du coup, je pense que je suis de retour dans 2 minutes, 2 minutes 30 à peu près. Donc, à tout de suite. Heureux à tous, j'ai plus de bouteilles cristallines, du coup j'ai dû prendre une gourde. Let's go, allez on est parti pour le boss du troisième étage. Et après bah on fera au moins le premier niveau du prochain étage. Très bien, ouvrons cette porte grâce au pouvoir de l'étincelle. Tu peux me donner des fragments d'étoiles? Oui, tiens, cadeau. Ça y est, on est déjà un nouveau boss. Je vais manger cela. Ouais. Donc du coup, ça veut dire, en principe, là, on est au troisième étage. Donc non, la semaine prochaine, on n'est pas au boss final. Mais dans 2 semaines, oui. Après, je savais que ça irait vite. Mais voilà.
Ah, le fameux portail du Nether, j'ai la ref. Oh, le chat. J'ai la ref. C'est Alice au Pays des Merveilles. Par contre, j'arrive pas à savoir à quoi il correspond le chat. Ouais, le scream, hein. En plus, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah, c'est un disque de film. Vous n'êtes pas prévu dans le super spectacle de Dame Sierra, alors inutile de vous acharner. Vous croyez capable de me battre, moi, le gardien de cette porte sombre? Je vais vous remettre les gilets en place. Alors, Projo Miaou. Alors, c'est une bombe. Comment on saute? Ah ouais, mais je voulais envoyer la bombe dessus, mais je sais pas comment je fais, moi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? J'ai pas compris. On va dire que c'était bien ce que j'ai fait. Ce boss est tellement moins impressionnant. Le meilleur boss, 100%. Quand je ferai mon top des boss du jeu. Le meilleur boss du jeu, je pense de très loin, ça sera le serpent. Même si un petit peu court, évidemment. Ok, donc le but c'est vraiment de l'envoyer au milieu. Ah l'enculé. Bon, c'est bon là. Bon là, je sais pas s'il peut me taper. Je trouve premier degré pas fou ce boss. Par contre, j'ai peur que le son du jeu il soit trop fort, hein. Parce que là je trouve que le volume du son il monte à chaque fois beaucoup. Après ça va que je parle relativement fort quand même. On le fout bien au milieu là. Et ça y est, le boss est battu. Incroyable. Bah honnêtement, très peu ouf. Très peu ouf, hein. Ah non, clairement le serpent était bien plus intéressant. La poule était chiante parce que c'était dur de l'avoir rapidement. Ce chat là était d'une facilité déconcertante. Mais le serpent était vraiment cool et original. Même si dans sa forme de combat, on n'aurait pas trop dit un boss, mais vraiment un boss de monde, je te dirais. Ça faisait pas trop boss de monde, ce combat. Mais je te dirais qu'en termes de... Je te dirais en termes de mécanique et d'originalité, c'était clairement le meilleur. C'était clairement le plus cool. Et ben voilà, nouvel étage de clear. Cet étage était particulier, enfin cet étage est revenu à la normale lui aussi. T'as joué dans pas mal de pièges, je suis sûr que quoi qu'il advienne, on fera s'en sortir bien. Wow! Oh non, un aléa, parce que tout allait bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quoi? C'est quoi ça? Je peux passer, mais j'ai jamais vu ce dialogue, pourquoi je voudrais le passer? Pourquoi je peux passer en dialogue, alors? C'est un sorcier de tête, je me demande si ce sont ses fils des... Ces fils de pute et cette porte qu'elle empêchait de fonctionner. N'y aura peut-être à nouveau accès parce qu'on a affaibli la magie de Sierra en remettant de l'art dans les otages inférieurs.
Il va nous permettre d'aller rapidement aux autres étages et au sous-sol. On a qu'à laisser, qu'est-ce t'en dis? Mais je me dis que je n'ai pas le choix d'aller au sous-sol, oh, en fait. Ah non. J'ai vraiment le choix. Bon, c'est bien, ça nous fait gagner du temps. Eh bien, étage 3, du coup. Hein. Donc, comme j'ai dit, ouais, on va faire un niveau à 100% et après, je me stop. Il y a toujours 4 niveaux par étage. Donc là, on a le niveau 2 du ninja, le niveau 2 de l'agent secret. Ah, là, ça doit être la moine. Et après, est-ce que c'est un nouveau? Non, c'est encore un deuxième. Je sais pas, il y a... Attends, je vais regarder au moins 1 pour voir toutes les tenues qu'il y a et voir combien il nous en manque. Parce qu'en vrai, là, il doit pas nous en manquer beaucoup. Je te dirais là, qu'est-ce qui pourrait manquer? Bah, il nous manque la moine Shaolin. Et à part ça... Je sais pas. Donc... Attends, donc déjà... Alors, est-ce que c'est garde-robe? Non, c'est pas garde-robe qu'il faut que je regarde. Collection, costume peut-être? Donc il y aurait 12 costumes. Donc il m'en manque 2 en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. Comment ça? Ah. Oh, il y a moyen. Il y a moyen. Bah, cette tenue-là ne compte pas. Là, juste en dessous, j'imagine que c'est la moine. Et là, encore en dessous, ça doit être la tenue finale. Donc je pense que... Bah là, on... Là, en fait, c'est fini, quoi. Donc là, ça veut dire... À part le niveau de la Kung Fu, là. C'est pas moine, pardon, c'est Kung Fu. À part le niveau de la Kung Fu, eh bien, tous les autres niveaux, ça sera des niveaux numéro 2, quoi. Merde. Donc là, en principe, ça veut dire que tous les prochains niveaux seront potentiellement rapides, quoi. Donc je pense pas qu'au prochain stream, j'ai terminé le jeu. Mais il y a moyen que j'avance très rapidement sur le prochain stream. Oh merde. Oh ça va, heureusement qu'il y a l'ascenseur. À la limite, je serais peut-être d'avis même de me débarrasser du moine, enfin du Kung Fu, mais... Ouais, là, il est 2h43 de stream. En vrai, je me dis... Là, je suis au monde 4 sur 5 mondes. Donc il me reste 8 niveaux. 8 niveaux, dont, d'après moi, 7, du coup. Ça veut dire qu'il y a là, il y a que cette tenue-là qui est nouvelle. Et les 7 autres niveaux, c'est que des niveaux 2. Je pense qu'au prochain stream, j'ai le temps de les faire tous. Hein. Donc en vrai, je vais m'arrêter là. Après, j'ai pas dit que je m'arrêtais de stream. Ah ah. Mais pour Princess Peach, en fait, c'est... En vrai, ce stream-là m'a confirmé, j'aimerais bien faire un montage. J'aimerais bien faire une vidéo de ce jeu en mode best-of. Parce que franchement, je dis des dingueries et moi, ça me fait rire. En même temps, le jeu, il donne envie de faire des blagues. Donc forcément. Donc je fais ça aussi pour pas avoir des VOD giga longues. Parce que là, d'avoir des VOD de 3 heures à monter, ça fait chier. Donc voilà, si je peux avoir une VOD de 2h45, moi, ça me va. Je l'ai bien vu tout à l'heure avec Mario Bros DS, vu que j'ai quasiment terminé le montage. Vraiment, vraiment, ça fait chier. Hein. Des moments où il se passe rien, où juste je récolte des trucs à 100%. Mais je pense qu'il peut être intéressant dans ce jeu-là, bah, c'est les moments où je joue à un niveau pour la première fois, c'est là où je fais mes blagues, tu vois, et que c'est là où ça vaut le coup.
Et je sais que quand je refais un niveau, j'ai pas besoin de me faire chier à voir ce que je dis. À la limite, je regarde en diagonale, mais souvent, c'est rare que quand je refasse un niveau, ce soit intéressant. Donc pour moi, il y a un potentiel de vidéo qui peut être vraiment très sympa. Et au niveau de... J'ai le titre de la vidéo. J'ai le titre de la vidéo. Mais je suis content parce que, en vrai, le fait de penser vraiment en avance en mode « Voilà, je vais faire une vidéo sur tel jeu. » J'ai le temps en amont vraiment de penser à un titre qui pourrait fonctionner. Par exemple, pour le deuxième best-of, pour le deuxième épisode du deuxième DLC de Pokémon Écarlate, j'avais pas trop d'idées de titres. Mais bon, je pense que c'est vraiment l'algorithme YouTube qui m'a baisé. Mais j'avais pas trop d'idées de titres, du coup, j'ai un petit peu repris les anciens. Je sais plus ce que j'avais mis à la base, mais du coup, j'ai mis Adieu, le DLC non honteux. Bon. En réalité, c'est faux parce qu'il y a l'épilogue. Mais ça n'empêche que j'essaie de réfléchir en amont vraiment aux noms de vidéos. Par exemple, pour Donkey Kong Country 1, mon idée de titre, c'est « J'ai souffert 3 heures pour écouter une musique ». Pour Princess Peach DS, c'est « Guidé par le pouvoir de l'argent ». Pour Mario Bros DS, c'est « La définition de ta nostalgie ». Voilà, c'est... Je sais que je veux faire un titre avec « Nostalgie » dans le titre, par exemple. Pour Donkey Kong Country 1, je sais que je veux faire un truc vis-à-vis de la musique de Carol, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le jeu. Et la raison pour laquelle j'ai démarré ce marathon des Donkey Kong Country, vraiment, je ne pensais pas. Juste la musique de Carol m'a fait commencer, enfin finir les 3 Donkey Kong Country de Super NES. Et là, ce samedi, si je peux stream, bah je stream Donkey Kong Country Returns. Que j'ai installé, ça y est, il est fonctionnel. J'ai juste fait le premier niveau pour tester que la sauvegarde marchait bien. Les contrôles marchaient bien, qu'il n'y avait pas de lag, qu'il n'y avait pas de crash. Ça a l'air d'aller. On verra bien. Et du coup, pour Princess Peach Showtime, mon idée de titre, c'est Peach affronte les Sarafs. Alors. Non. Oh, je sais. Peach affronte les Zars étoiles. BES. C'est pas mal, non? Moi, j'ai pensé à ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. On verra bien. Ah, mais je me dis, ça peut être marrant. Enfin, après, c'est marrant pour moi. Mais bon. Je sais pas. Après, pour les autres vidéos, je sais pas. Pour Donkey Kong Country 2... Pour Donkey Kong Country 2, 100%, je fais un titre en rapport avec sa difficulté. Et Donkey Kong Country 3, je fais un truc vis-à-vis, en mode, le deuxième jeu, c'était l'enfer. Après l'enfer, le paradis, enfin, je sais pas. Après l'enfer, la déception, enfin, je sais pas. Mais concrètement, souvent, c'est aussi ça l'intérêt pour moi aussi des VOD, de réfléchir à un titre pour chaque épisode de VOD. C'est parce que derrière, bah, si j'ai pas d'idée, ça peut m'inspirer pour des titres. Et pour le coup, je savais pour Princess Peach DS, ça allait directement être pour l'argent. Même si là, je joue pour l'argent. Je fais tout pour la thune. En parlant de thune, j'ai regardé au rez-de-chaussée. Le strike de la bien-pensance va rêver fort si tu mets ce titre. Bah non, mais faut la rêve, c'est pas putain, c'est pas... C'est Aguicheur. C'est Aguicheur, mais c'est en rapport avec la vidéo. Après, je vais le préciser... Si je fais des... Faudra que je le précise, par contre. Mettre au début de la vidéo un disclaimer en mode full second degré. De toute façon, à chaque fois que je sais ce que je vais faire. À chaque fois que je ferai des blagues un peu limite de style misogyne, raciste, islamophobe ou des trucs comme ça, je mettrai toujours des sons de mon gosse pour faire comprendre que c'est du second degré. Et au début, je mettrai un disclaimer en mode second degré. Après la vidéo, honnêtement, me connaissant, je la montrerai que dans 2 mois. Genre, si je fais le montage, si ça se trouve, c'est dans 6 mois. Bon, peut-être pas, mais...
Mais à part si j'ai vraiment le temps et que j'ai pas d'autres vidéos à monter, je pense que Princess Peach Showtime, ça sera pas une priorité. Déjà, j'aurais bien aimé sortir avant Princess Peach DS, mais honnêtement, là, j'ai clairement plus envie de monter ce jeu-là avant. Ce jeu-là, il m'intéresse clairement plus à monter. Enfin, clairement, je prends beaucoup plus de plaisir. L'autre, c'est un vrai jeu de plateforme, quoi. Ah, ça doit coûter des pièces de jouer à ça, peut-être. Bon, moi, du coup, c'était le shop que je voulais regarder. Parce qu'on m'a dit, « Ah oui, il y a des nouveaux trucs. » Oh, c'était là, 500 balles. Ta voix ne te va pas, on te l'a déjà dit. Et Peach. Oh, celle-là, elle est pas dégueu. Celle-là, elle est horrible. Yes, non, non, c'est moche, c'est moche. Tu vas rester avec ce que t'as. Non, celle-là, elle est pas mal. Par contre, tu vas clairement garder... Tu vas garder le pays du soleil Japon levant. Je sais même pas où se trouve la tenue, d'ailleurs. Je crois qu'elle a disparu. Non, mais je l'aime bien, la tenue actuelle. Bah, écoute. Est-ce qu'on a des trucs en particulier à vérifier? Bah, je pense que là, de toute façon, on verra s'il manque des choses. Hein. Pareil, dans l'album. Bah, c'est là où on voit... Là, ici, c'est mon repère à miniature. Hein. Là... J'aurais pu utiliser cette mini... Oh non, quoique. Oh, elle est décevante, celle-là. Cette image-là, elle est bien. Celle-là, elle est décevante. Mais la miniature, j'ai déjà décidé. Ça sera Peach affronte les... Attends, comment je voulais appeler la VOD? Ah non, j'ai pas dit comment j'allais appeler la VOD. Mais bon. C'est bien, ils ont pensé aux youtubeurs. Voilà. Mais du coup, ça sera ça, la miniature. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Hein. Ouais, donc au niveau des tenues, c'est confirmé. Hein. Après, il n'y aura que la moine Shaolin et... Soit... Il y a bien une 12e tenue pour ne pas laisser un vide parmi les tenues. Soit il n'y en a pas et c'est con. En collection, j'ai la flemme de regarder ici. Garde-robe, j'ai pas regardé pour Stella. Noir. Bon bah parfait. Ah, j'avais pas vu le petit sauvegarde en bas à droite. J'imagine c'est dès que tu fais une action. Ouais, là on peut voir. Oh. Oh. Ouais, on peut pas voir l'étage 5. Enfin, l'étage 4, pardon, du coup. Mais j'imagine que l'étage 4, bah, vu qu'on aura déjà débloqué toutes les tenues, bah, ça sera que des revanches de certains costumes. Bon, bah, écran titre. Je vais vérifier que la sauvegarde s'est bien faite, mais y a pas de raison. J'aime bien faire ça à chaque fois que je m'arrête. Showtime! Wow! Princess Peach Show! Et là, ils vont me ramener au premier... Ah, mais je suis déjà au premier étage, de toute façon. Incroyable. Eh ben, parfait. Eh bien, écoutez, YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. Encore une fois, désolé si vous prenez mal des blagues, surtout si des gens regardent des vidéos. Normalement, c'est pas le cas, mais on sait jamais. S'il y a une personne qui a regardé les 3 heures de VOD et qui prend mal mes blagues, c'est du second degré. Encore une fois, il ne faut pas prendre les trucs au pied de la lettre. Même si, bah moi, je prends les choses au premier degré très facilement. C'est assez rare que je comprenne le second degré. Mais au pire, ça fait rire la galerie. Sur ce, sur Twitch, je ne m'arrête pas parce que j'ai envie de faire quelque chose. Même si ça ne va pas durer très longtemps. J'ai envie de faire quelque chose. Et puis voilà. Bon, YouTube, merci d'avoir regardé. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine pour une prochaine VOD. Allez, salut!